pas changé le titre? Alors bonjour à tous, je sais pas si le titre a été changé, du coup, ça commence bien. Oui, normalement c'est bon, le titre il est changé. Ok, c'est bon. Bonjour Yonir, comment ça va? Bonjour Cameron, comment vous allez, ça va? bonjour Gastro, ouais, coucou, ça va? Ouais, j'ai pas des petits cœurs, d'habitude tu mets des petits cœurs. Bah écoutez, on part sur, donc sur un menu bah, crevettes langoustines. Donc, oui, que de. C'était quoi? C'était langouste? Ouais, du coup, c'était un peu cher. Ouais, ça va. Ouais, nickel, merci, Onir. Ouais, ça va. Donc, du coup, on part sur. On va avoir différentes choses. Ouais, merci, Gastro. Bon, j'espère que c'était pas forcé. Hein. Ouais, ça va, Cameron? Ouais. Si ça peut te faire plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ce que je me disais, c'est qu'il devait être forcé là. Bon bah du coup on part donc on va cuisiner différentes choses. On va faire mariner des gambas avec de la tequila. Voilà. Mais plus fin. Ok, ça marche. Donc nous allons utiliser de la tequila. Celle-ci je vous en parlerai parce qu'elle est juste trop bonne. Voilà. Donc ensuite on va faire des brochettes de crevettes avec la citronnelle. C'était le reste de. Vous savez, on les avait congelées, on avait utilisé dans je sais plus quelle recette. Mais non, Gastro, t'inquiète. Hein. Non, je suis contente que tu sois là. Ouais, faut boire la tequila. Non, on va faire mariner. Attention, on va faire mariner, on va pas boire la tequila. Donc en fait, je me suis aperçue que. Non, bah non, c'est demain matin. Demain matin, vous allez voir, il y a aussi beaucoup de citron vert. Langoustine, ouais, chez les Thaïs, il y a beaucoup de citron vert. Ouais. Ensuite, on va faire des langoustines. Donc on va essayer de préparer une assiette. On va faire une purée de panais. On va mettre des langoustines. Et on va faire un pesto de basilic thaï. Donc j'en ai enfin trouvé. Ça sent le basilic. Ouais. Mais ouais, j'ai pas goûté encore. Attendez, faut que je goûte. C'était forcé. C'était quoi? C'était forcé le content que. Non, c'est pas vrai. Ah, ça y est, tu commences, Gastro? Non, c'était pas du tout forcé. Non, c'était pas forcé. Ah, ouais, c'est anisé. D'accord, un pesto avec ça? D'accord. Je dois faire ajuster. Hein. Ouais. Donc, j'ai trouvé tout cru, donc je suis contente. Gambas, crevettes, langoustine, donc c'est parfait. Ouais, un pesto de basilic thaï. On va tester. C'est un goût plutôt anisé. Hein. Je suis naïve. Mais non, t'es pas naïve, Gastro, t'inquiète. Arrête! Ah bah très bien, parfait, Onir. Alors, on va commencer. Vous allez voir, dans l'ensemble, c'est plutôt rapide. On va commencer avec les panais. Faudrait qu'on se fasse un stream. À chaque fois, je vois tous les potirons et tous les je sais pas trop quoi. Mais toi. Ouais. Ouais, c'est trop beau en fait, hein, les pâtissons et tout. Moi, je sais pas, il faudrait se faire un. Quoique pour Halloween, on aura pas mal d'oranges, je pense, donc on attendra peut-être Halloween. Ok, ah, attendez. Oui, donc on est parti avec la purée de panais. Donc, du coup, on va éplucher nos panais. bonjour Akala! Hey, ça fait un petit moment, comment tu vas? T'as la reprise? La rentrée, ça a été comment? Ouais, il y a des Marseillais, ouais, salut Akala! Grave! Ouais, ça va. Et du coup, à l'école, c'est compliqué? Ça se passe comment? Ouais, bon, on verra après. Voilà, donc nos jolis panais. Ouais, bah, voilà, ouais. Donc là. La reprise s'est bien passée. Ok, ça va. Il n'y a pas eu des histoires de Covid ou je ne sais trop quoi. C'est un petit peu anxiogène tout ça. Hein. Et du coup, je suis qui sur l'overlay? Alors attention, l'overlay, après lundi soir,
Et après vendredi dernier, j'ai dit je fais soft, on fait des petits trucs gentils. Forrest Gump, non, Forrest Gump, non, non. Non, du tout, bah là, du tout, non, du tout, là, j'ai fait soft, j'ai vraiment fait bien. Gastro. Tu choisis. Soit le crabe là qui est trop joli. Ou Booba Gump, ouais, Booba Gump, non, pas tellement. Hein. Attends, je regarde sur la suite. Du coup, on est où là? Ouais. Tu choisis si tu veux être Forrest Gump ou pas. Après, il est génial, hein. Enfin, ce gars est génial. Bonjour Lolo 34. Attends. Bonjour Lolo 34 Corsique. Excuse-moi. Une crevette. Ok, d'accord. Ok, du coup, on continue sur le panier. Mais il est bien, hein. Bah, je sais pas si vous avez été à New York, là en fait ils ont leur Booba Gump et tout, c'est marrant. J'ai fait une fois. Bon, c'est cher pour ce que c'est, je tiens à vous dire quand même. Eh bien, tu as pu écorcher mon. Ah mince! J'ai pas écorché ton prénom. Bon, bah c'est parfait. Ok, parfait. Oui, parce que je suis la spécialiste, hein, désolée. Et donc, je te. Oh, merci Lolo! Pourquoi il y en a plein d'autres aussi qui écorchent ton nom? Oh, bonjour Strakune! On n'entend pas le follow! Merci pour le follow! Attends, je viens de le voir et je regarde si j'ai le son sur mon ordi. Ouais, j'ai le son. Bon, c'est temps que ça se mette en route. C'est comme moi, le temps que je me réveille. Ouais, salut Strakune! On cuisine, on teste des trucs. Tu fais ça quand t'invites des gens? Ouais, c'est tellement ça. Non, alors tu sais quoi Strakune quand j'invite des gens? Généralement, je fais des trucs où je suis sûre que c'est bon. Ouais. Et bon, et il y a un petit peu moins de healthy. Parce que du coup, en fait, je vais pas les pénaliser. En fait, ils sont pas obligés de manger healthy comme moi. Mais pour les desserts, oui. Bonjour Vince, comment tu vas? C'était bon alors ce que tu as préparé? La purée de panais, d'ailleurs, je vais mettre un peu de skyr. On va voir ce que ça donne dedans. Donc, il y en aura un avec un peu de skyr et l'autre. Bonjour Juro. Ouais, plein. Et pourtant, je trouve pas mon pseudo compliqué. Non, ça va. Lolo 34 Corsique, c'est bon. Mais tu sais, parfois, c'est chaud aussi. Hein. Moi, j'écorche pas mal. Ça va, Juro? À la fac et tout? Sois pas trop relou? Alors, attends, on va chercher notre casserole. Elle va pas, je dois aller donner mon sang. Ah, ok, ça marche, Juro. Ouais, super. Ouais, super. C'est vrai qu'ils en manquent beaucoup en ce moment. Ouais, nickel. Ok, bon, bah écoutez, je vous reprends avec moi parce que je vais mettre les paniers en cuisson. Hop là. Et donc, les cas-là, parfois on respecte pas mon pseudo, c'est difficile au quotidien. Ah! Ouais, c'est pas grave. Hein. Si, c'est important ouais, que le pseudo il soit respecté. Pas encore préparé. Ah, d'accord, ok, Vince, t'as pas encore fait. Ok. Bon, je vais les couper en petits morceaux, comme ça va cuire plus rapidement. Et donc, du coup, pour de vrai, tu vis ça dans la vie. À moi, tu peux tout me dire. Strakune, ça fait 6 mois que t'essayes de savoir. Hein. Je vous ai dit, c'était compliqué. Voilà. C'est compliqué, donc parfois c'est. Voilà, et parfois c'est. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Comment dire? Et donc, bonjour Natorshot! Ouais, ça fait un moment aussi! Ouais, comment ça va? Trop bien! Et donc, tu sais que tu m'as perturbé avec ton histoire de costume. Attends, Gastro, quelle histoire de costume? Arrête, Gastro, franchement, c'était pour la blague. Arrête, j'étais avec ma mère, j'ai vu ça et tout. J'ai dit, non, mais faut trop que je l'envoie, quoi. C'était pour la blague, Gastro, avec les carottes. Donc, du coup, tu as pu me parler de carottes? C'était pas mal trouvé, quand même. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est sur le Discord, en fait. J'ai vu un costume de carottes et j'ai dit, c'est... Je sais pourquoi. Gastro, il aime les carottes, maintenant. On dit Asaya et pas Akana. Bah il manque la CCD alors. Parce que du coup c'est en orthographe avec les enfants. Si tu as CA ça fait K. Si tu as le CCD ça fera le SA. Ouais je fais des crevettes aujourd'hui. Oh bonjour Narflo. Comment tu vas? Merci pour le sub Narflo. Ouais merci. Merci pour le sub à Jérôme. Ouais merci Narflo. Bon j'espère que tu vas bien. Ouais, des crevettes. Et du coup, Gastro, 1000 euros si tu trouves la vérité. 1000 euros. Ah ouais, carrément, ce point-là. Bonjour, Iroisis. Asala, alors que c'est juste Akala. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon. Alors, c'est Akala.
Ouais, merci, merci Narflo. Du coup, est-ce qu'il faut que je cuisine encore dans la tête de veau pour que tu parles? Bonjour Mister Seb. Coucou, c'est dingue perso. À chaque fois que je demande à une nana si elle est seule dans sa vie, une réponse est compliquée. Ouais, mais c'est pas, c'est comme vous aussi les gars, hein. Je tiens à vous dire. Et donc j'ai une cuisine magnifique. Merci, merci, merci. Elle était là quand je suis arrivée. Donc du coup, j'ai pas eu grand-chose à faire. Ça c'était bien pratique. Hein. Et les crevettes, ouais, en plus l'intershot, les crevettes c'est pas du tout calorique. Hein. Donc ça, les crevettes, c'est 100 calories pour les 100 grammes, c'est bon pour en manger, mais bon, faut pas dépasser une certaine quantité, mais ouais, c'est trop bon. Et donc ouais, c'est excellent. Et donc du coup, on va faire des gambas. Bon, on va les sortir après. Bah, il faut qu'on lance la marinade. Attendez, je lance les panais. Donc bien pratique, hein, nous n'allons pas surveiller la cuisson, nous serons bien. Et donc, vous voulez parler psychologie avec vos histoires d'être seule dans la vie. Ouais. Ouais, mais après, tu sais, ouais, bah, je sais pas quoi vous dire en fait, parce que du coup, après, si je vous dis, c'est que j'expose ma vie privée, quoi. Moi, je voulais me mettre au stream, mais c'est des streams assez spéciaux, donc ça demande du temps. Tu voulais faire quoi comme style de stream? Sur une chaîne, et la streameuse paraît qui aime trop le sport, je m'entends bien avec l'espoir. Ah oui, c'est vrai, Strikeune, ouais, grave. Ouais, c'est ça, Yomir, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok, du coup, on va chercher nos gambas. Bon, là, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Je suis trop contente. Et j'ai tout en cru. Donc, bonjour Yuki. Attends, Yukina Live. Les grosses gambas flambées au whisky. Ouais, je sais, Vince. Mais du coup, j'ai pas de whisky. Je suis pas très whisky. Alors attendez. Merci Gastro pour le sub pour Akala. Merci, merci, merci. Merci, vous êtes gentil, vous êtes très gentil. Très bien, donc attendez, là j'enlève mon portable. Hop. Du coup, donc on part. Donc tout est cru, hein, c'est parfait. Les crevettes, donc c'est pas elles qui vont mariner. Elles, on va les faire cuire et ensuite on va. Ah oui, on va les mélanger avec du porc. Ouais, ça va, Yukina Live. Ouais, nickel. Ouais, merci pour le sub. Bonjour Artisinette! Ouais, comment ça va? Merci Castro pour le sub, merci, merci. Je ne vous ai pas manqué. Attends, j'avais pas remarqué les chaussons crevettes. Attends, non, c'est pas des chaussons crevettes, c'est des chaussons serre. Ouais, c'est pour que ça tienne un peu plus chaud. Ouais, j'ai tout bu, Vince. Bah, en fait, bah, vous savez, c'était la soirée où j'avais dit qu'il y avait mes potes qui étaient venus et du coup, ils avaient fini la bouteille de whisky. Je suis pas très fan du whisky. Et du coup, j'en ai pas racheté. Ouais. Ouais, merci l'artiste Dinette. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, je m'habille beaucoup en noir. Vous avez vu, un été est fini, c'est bon, hein, il n'y a que du noir. Hein. Très bien, donc nous allons prendre nos petites gambas. Gastro. T'es trop gentil, merci Gastro. Merci pour le sub pour l'artiste Dinette. Merci, merci. Waouh. Vous allez me perturber, donc du coup, je vais arrêter de cuisiner. Nouvelle. Ouais, tu l'avais pas vu l'interchat, le miam miam? Ouais, c'est quand je réussis parce que parfois je réussis pas quoi. Je voulais faire. C'est pas la saison. Non, les roisisses. Alors, ça, les gambas, elles viennent. Non, non, du tout. Alors, je t'avoue que je ne connais pas les saisons des crustacés. Merci, Narflo, arrêtez. Bonjour, Scœur de la mort. Ouais, comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, j'ai vu ce que t'as publié, c'est trop joli. Mais elles sont trop. Tes gyoza, ils sont trop beaux, hein, comparé aux miens, laisse tomber. Hein. Bonjour, Alpha Boss Jim. Bonjour, bonjour. Bon, bah écoutez, je vous prends là, je vous fais bonjour, bonjour, et après on va éplucher. Hein. Bonjour, bonjour. Et on va éplucher nos. Bah, tout ça là, en fait. Merci Gastro. Merci pour le sub, pour l'interchat. Merci Gastro. Voilà. Et merci Narflo pour le sub à Blue Swift. Ouais. Gyoza, pas Gyoza. Ah oui, c'est Gyoza. Ouais, mais en français, on dit Narflo! Merci! Non, mais c'est ouf, hein. Ok, vous avez décidé en fait de me perturber. Ah, mais Michel Welbeck, bah cool, Michel Welbeck, il va avoir son sub. Merci Narflo pour les subs pour Bill Colgate, Mister Seb pour Clodo de la rue du Gros. Clodo de la rue du Gros, c'est pas mal. Merci pour les. Mais arrêtez, non, mais vous êtes ouf, quoi. Ok, bon, c'est les stream crevettes en fait, c'est les crevettes. Donc merci pour le.
Gastro, mais de ouf, non mais ça va pas. Alors donc je continue, merci Narflo pour le sub pour Michel Welbeck. Et Gastro, merci pour les 10 subs pour Pierre69, pour McLovin. Ah, il a changé McLovin, non, c'en a un autre. Lolo, 34 Corsic, t'as eu un sub, cool. Merci pour le sub pour Gris. Alors là, du coup, je vais écorcher. GrisNDSC2 pour Diablo32. Arrêtez! J'ai passé le stream à lire. Merci pour le sub pour Gastro pour la pastèque. Bonjour, merci pour le sub à Amriches TV. Merci pour le sub à Axel Prevost, pour Sarafan99 et pour Autumn62. Coucou les gars, dites bonjour. Merci pour les subs. Ouais, non mais grave. Mais grave. Ouais, c'est trop gentil. Ouais, grave. Bonjour Michel Welbeck, coucou. Ouais, du coup, merci Naflo pour les 5 subs supplémentaires. À Vintador. À Jojo 80, 945 001. Bonjour Kelly Suisse Suisse César. Bonjour à tous. Bonjour Bigfoot. Ben oui, j'étais à l'heure. Oui. Mais le mercredi, j'essaie quand même d'être à l'heure. Et le matin aussi, très tôt, quand je fais 5h45. Battle d'abonnement. Ouais, donc merci Narflo pour Vintador, pour Inner Ox, pour Mister SP et pour Radio Beerfoot. Merci pour tous les subs. Merci, merci. Là, ça fait beaucoup. Truc de ouf. Ouais, merci, merci. J'avais juste peur, Maria. Chaque année, elle avait peur à manger. Et moi, j'avais peur que je les voyais arriver. Attends, c'est quoi que t'avais peur, Alpha Boss Jean? Ouais, bonjour. Donc, bonjour, Bigfoot, ouais. Donc, pas de soucis pour le retard. Ouais, comme j'ai dit, on fait comme on peut. Hein. Pas toujours comme on veut. Ouais, ça brûle les yeux. Vite, donnez-moi la javel. Arrête, Mothershot. Vous êtes trop gentil. Ouais, le chat, il a encore un entier. Oui. Alors, le chat, il a encore un entier. Et il va très bien. Il va très bien, il est un peu relou, hein, mais il va très bien. Il n'est pas encore passé à la casserole. Et donc du coup, c'est vrai que tu es à la bourre, abusé. Ouais, c'est vrai qu'il est à la bourre, ouais, c'est vrai. Les crevettes, moi, ouais, c'est les crevettes, je pense. Ok, du coup, ça vous dit bon, ouais. Alors, voilà, donc vous lâchez les petits subs. Puis du coup, on va éplucher les crevettes, ça vous va? Et donc, c'est quoi? Donc, Alpha. Ouais, j'ai pas compris, Alpha Boss. Les pop-corns, c'est après, Michel Welbeck. Ouais. Les pop-corns, après. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est super gentil, merci. Non, la cuisine, elle a pas commencé. Si, on a lancé les paniers. C'est comme la dernière fois, il y avait juste le rôti qui était dans le four et basta. Au bout d'une demi-heure, quoi. Oui, c'est bon, je commence. Donc, parce que surtout, il faut faire mariner nos crevettes. Donc, nous allons utiliser cette tequila. Je vais vous la montrer. Donc c'est une tequila reposado, on l'avait déjà utilisée en cuisine ensemble, c'est l'Herradura, elle est juste trop bonne, donc en cul sec elle est juste trop bonne. C'est une copine mexicaine qui me l'avait fait découvrir. Crevettes, alors on va faire des crevettes, alors attends, des brochettes de crevettes à la citronnelle, on va faire des langoustines, on va faire tu sais, une sauce avec la carcasse et tout ça, purée de panais et un pesto de basilic thaï, un plat que j'ai réussi à trouver. Et ouais, la bouteille est... Mais ça fait un moment que je l'ai au nid, hein, aussi, c'est pour ça. Et avec nos langoustines, non, nos langoustines, c'est ça, on va faire purée de panais et basilic thaï. Et avec nos gambas, on va les faire mariner au citron vert, du coup. Et on va juste les faire revenir. Ouais. Oui. Et donc, du coup, voilà, donc je vous la conseille très fortement, en tout cas. Bon, elle coûte un petit peu cher, mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai... Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, elle est trop bonne. Voilà, en cul sec, c'est juste nickel. Et il faut savoir que les Mexicains, ils n'aiment pas hein, qu'on boit leur tequila en cul sec. Hein. Non, arrête, Éonir. Non, non, franchement, en plus, c'est vrai, ça fait un moment qu'elle est là, la bouteille. On avait déjà streamé avec, mais je sais pas si on remonte les streams, mais c'était il y a longtemps. Hein. Donc voilà, c'est la même bouteille. Donc autant vous dire que ça descend pas trop. Je suis pas très alcool fort. Allez, ouais, un petit cul sec, une fois de temps en temps en soirée, mais c'est pas trop mon truc. Ah, ouais, bonjour Damchine. Coucou les maraudeurs. Comment tu vas, Damchine? Donc là, c'est pas ehé la bière, c'est ehé la tequila. Tu les crevettes, Maya. Ouais, attends. Mais là, elles sont. Ouais. Là, on va y passer. Mais elles sont pas vivantes, hein. Moi, je cuisine pas quand c'est vivant. Je peux pas. Merci, Castro, pour le sub à la fameuse gym. Ouais, mais c'est dur. Ouais, mais grave. Mais c'est clair. C'est la troisième de la semaine. Oui. Je vais pas bien, je suis une semaine en visio. Cool. Ah, mince. Mais du coup, t'es tranquille à la maison. Ils sont en train de cramer là. Ouais, c'est clair, t'as vu Nattershot? Ouais, grave. Merci les gars. Merci beaucoup. Du coup, on y va. On va commencer. On va prendre une tête de gambas. Après.
On va quand même commencer à éplucher. Ouais, on commence avec ça. Du coup, ça, on va quand même, on va les. Ok. Ah oui, quand c'est frais, en fait, ça sort grave, quoi. Attendez, bah vous, vous avez de la chance. Voilà. Salut les filles, ouais. Ça s'évapore vite avec les chaleurs. Ouais, quand il y a la tequila. Ouais, bah là, du coup, ça sera en froid. On va faire mariner en froid et après, on déglacera avec la sauce. Et donc, mon pseudo, mais attends. Tu as fait mon pseudo, excellent. donc, t'as pu bricoler dans l'appart, il faut au moins 10 degrés là. De mon frère samedi, j'apprends qu'il n'est qu'à contact. Ah, donc c'est pour ça que tu restes à la maison, ok. Bon, qu'à contact, de toute façon, maintenant aujourd'hui, je crois que c'est plus important hein, qu'à contact, on va quand même au taf. Hein. Ouais, donc toi, du coup, tu restes à l'écart. Bonjour Narflo, un bisou à la tête de crevette. Arrête Narflo, c'est que pour les bisous. Je te fais un bisou à toi, c'est bon? C'est bon? Non, pas la tête de crevette. Alors, la tête de langoustine, si tu veux. Hein? Ouais. Alors, attendez. Ouais. Sûr, Narflo, arrête. Tu as déjà fait un menu Bob l'éponge? Non, ce qu'on avait fait de Bob l'éponge, c'était. Attends, si, on avait fait une recette de Bob l'éponge, c'était laquelle? C'était le. Tu sais ce qu'il aime bien, merci Gaston pour le sub à Narflo. Tu l'as choisi ou c'était au hasard? Oui, c'était dans le menu ananas, c'est ça, et on avait fait un. Ouais, le crabe. Ce qu'il aime bien, tu sais, le crabe cake, ou je sais plus ce que c'était. Non, elles sont grises. Michel Houellebecq, elles sont grises, les crevettes crues. Voilà. Bah, du coup, c'est cool parce que ça s'enlève direct. Bah, comme quoi, hein. En fait, cru, c'est mieux. Hein. Hop. Et gastro. Ouais, grave. Gastro. Lâche la carte. Hein. Merci, c'est gentil. Merci, gastro. et donc. Donc, c'est vrai que. Oui, Bigfoot, il est omnisexuel. La pâte. Oui, c'est ça, le pâté au crabe. Ouais, je crois que c'était ça. Hop. Bonjour Lily, comment ça va? Ouais, il y a plusieurs types de crevettes. Oui, il y en a plein. Bah, tu vas des petites jusqu'aux grandes en fait. Qui m'avait parlé des crevettes vietnamiennes? Je suis partie regarder à quoi ça ressemblait. Elles sont juste immenses, quoi. Truc de fou. Ça va, Ellie? Bon, on retire encore la partie. Voilà. Et ça vient tout seul. Mais en fait, il faut trop les. Bah ouais, parce que dans les roses, en fait, il y a le noir qui reste et tout. Mais là, faut trop les éplucher comme ça. C'est trop bien. Bah, vu le prix des crevettes, pas envie de crever de faim là. bah écoute, ouais, moi, je les ai eu en promo en fait. Bon, ce qui a coûté le plus cher, c'est les petites langoustines. C'est ça qui a coûté le plus cher. Donc, ouais, c'est pour ça que ouais, la langouste. McLovin, si tu nous rejoins bientôt. Hein. Et j'aurais aimé te voir faire du lait aux algues comme dans un épisode. Ah, du lait aux algues. J'ai des algues à Fabos Gym. Hein. Si tu veux, je peux faire du lait. Hein. Du lait aux algues. Mais je sais pas si c'est très bon. Tu penses que c'est bon ou pas? Ouais, il me reste de la laitue de mer. Hop là. Très bien, donc on a fini avec celle-ci. Donc c'est celle-ci qu'on va faire mariner. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de tequila, on va mettre du citron vert, on va mettre un petit peu de piment aussi, et puis un petit peu d'ail. Et elle les a eu en promo parce que c'est des tombées. Ouais, ouais, c'est pour les crevettes d'Amchin. En fait, j'ai voulu faire très soft, j'ai voulu faire un petit overlay très. Sans personnage, sans rien. Sauf Forrest Gump, on peut pas lui en vouloir. Michel Houellebecq. Les recettes, oui, il y en a quelques-unes sur Instagram, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, ça viendra, tu sais, dans l'année en fait. Là, j'en ai quelques-unes à publier. En fait, c'est vrai que j'ai publié à la suite en fait. Oui, tu peux en trouver, Michel Houellebecq, il y en a. Et donc, lait aux algues, ça a l'air dégueu. Ouais, c'est clair, enfin, le lait aux algues. Ouais, ça me tente pas aussi. Bon, attendez, je reprends avec moi.
Ok. Très bien, donc on va prendre notre petite boîte. Je vais. Bah, ça, du coup, comme c'est les trucs des gambas, je crois que les trucs des crevettes et gambas, ça se. Non, on prend pas la carcasse, donc ça va poubelle. Voilà. Et Discord. Ouais, merci Gastro. Merci pour le Discord. Et aucune idée, mais dans Bob l'avion, c'est beau, sauf que tu deviens tout vert et poilu. Ouais, je pense pas que. Bon, ça devrait aller, hein. Ouais, ça devrait aller. Désolée l'infiniment, mais j'ai jamais vu le film. C'est vrai, t'as jamais vu Forrest Gump? Bon, j'ai vu quand j'étais plus jeune, j'ai vu plusieurs fois et tout. Il est. Ouais, il est super bien. Du coup, nous, on prend notre citron vert. Je vais faire la marinade à côté, puis après, on la mettra dedans. Ah, on va écraser avec ça. Ouais, mais c'est, mais oui, mais il est jeune, c'est normal. Ça date de quand d'ailleurs, Forrest Gump? Je sais même plus. Alors, on va juste prendre un tout petit taille parce que autant vous dire que vu qu'il y a juste 6 gambas qui me battent en duel. Hop. Voilà, j'ai pris un mini mini. Voilà, hop là. Mais c'est vrai qu'il y a des recettes qu'il faut vraiment que je vous passe parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. Du coup. Ouais, je vais faire mini mini. Je vais mettre des bons trucs là pour écraser. Rien. Bon, c'est pas grave. Donc, attends, c'est quoi des os gastro? Pourquoi? La plus rapide qu'un modo. Et vu le modo visé, le prestige est limité. Non, j'ai dit à gastro qu'il choisissait qui il voulait être. 94, ouais, c'est clair, c'est pas, ouais, ça rajeunit pas en fait. Et Damshin, vu que t'as 22, ouais, t'étais même pas né en fait quand le film il est sorti. Ok, donc du coup, on met un demi-citron vert. On va mettre notre tequila. Va mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Et on va finir juste avec un tout petit peu de piment. Du coup, je vais réutiliser. Bah, en fait, vous savez ce que j'avais goûté qui piquait la mort. On va juste en mettre un tout petit peu. Déjà pas de noces là. Hop. Et on va mettre des petits morceaux. 2 cuillères à soupe et un verre de shot. Ouais, mais c'est vrai. Mais je vous promets, ça donne trop envie, hein. Il manquerait juste le sel, en fait, et hop. Mais on peut pas là. Non, non, là je cuisine, je veux pas être bourrée. Surtout que j'ai faim, donc autant vous dire que. Très bien. Donc du coup, on va faire nos crevettes. On va récupérer nos crevettes. Nos crevettes, nos gambas. En fait, c'est la même chose, crevettes et gambas, simplement gambas c'est en espagnol. Après, des gambas. Ouais, c'est pas tout à fait. Non. Les crevettes, c'est ou je sais pas trop quoi. Ok, bon bah écoutez, on va laisser mariner, puis on s'en occupera d'ici 1 heure. Parce qu'il est comme une crevette. Tout est bon sauf la tête. Tout est bon sauf la tête, non. Non, c'est à cause de Booba, le Booba Gump. Le Booba Gump et tout. Et donc, du coup, ouais, j'avais mangé une fois dans un resto qui s'appelait bah, le Booba Gump, en fait, qui était à New York et tout. Donc, du coup, je me suis dit, on va rester sur le thème crevette avec Forrest Gump. Ouais. Et il est trop bien le film. Et c'est bien, ça le fait connaître à des petits jeunes comme Damshin, hein. qui n'a pas encore vu. Ok. Bon, bah écoutez, on est bon, on va continuer, on attend la purée de panée et là on va continuer sur nos brochettes de crevettes. Donc du coup, il va falloir qu'elles sont déjà épluchées, donc ça c'est nickel. Hop. On va juste les saisir 2-3 minutes et on va préparer le reste qui va avec. Non, on va chercher notre écrasé de porc. Il va pêcher les crevettes avec son pote. Ouais, c'est ça, avec Booba, exactement, oui, c'est ça. Ouais, les ch'tis. Ah ouais, les ch'tis, je suis un peu moins fan quand même. Ok, bon, on y va. On va utiliser nos bâtonnets de citronnelle. Donc, du coup, en fait, nos brochettes, on va les faire avec nos bâtonnets de citronnelle. On mettra les crevettes dessus. Comme ça donnera un petit goût. Ouais, non, Michel Houellebecq, de la musique, non, mais je suis tellement nulle. Tu voudrais quoi comme musique, Michel Houellebecq?
Autant te dire que. Ouais, donc en fait, du coup, je récupère la tige centrale, donc c'est la citronnelle. Hop. Qu'on avait utilisé dans un autre stream et que j'avais congelé sur les conseils de Zoom. Voilà. Et en fait, il y a une partie qui est dure. Hop, cette partie-là, elle est dure. Donc du coup, on enfilera nos crevettes dessus. Et donc, le mec, il se bat dans les. Ah, Booba! Non, 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 non! Là, c'est pas du tout la même référence. Très bien, attendez. Le premier bâtonnet de citronnelle. On va prendre le deuxième. Et en fait, on va utiliser les feuilles pour. On va les hacher. Bon, bref, attendez, je vous dirai ça après. Des chants lyriques, arrête gastro. Non, mais j'ai peur que la musique, si je vous mets ma musique et tout, vous n'allez pas aimer. Ou alors, il faudrait que je mette des musiques qui sont en lien avec les thèmes. On mettrait quoi comme musique sur les crevettes? Je coupe le gros. Bon, là, il est encore gros, donc du coup, je vais encore un petit peu filacher. Et invite ensuite. Mais qui a pêché n'était pas le lieutenant Dan. Oui, si, si, c'est le lieutenant Dan. Ah, bah oui, Michel Houellebecq, tu connais. Et donc, avec le costume là, mais je sais pas si ma taille. C'est un peu. Ah, tu viens de le voir, Gaston, le costume! Avoue, c'était sympa pour la blague et tout. Très bien, donc attendez, on récupère nos bâtonnets. Ouais, crevettes dessus. De toute façon, il y en a quelques-unes. Mais ils sont vachement épais. Hein. Je pensais que c'était tout fin en fait. Comment je vais faire pour les faire rentrer dedans? Bon, bah écoutez, je vais faire des bâtonnets de citronnette pour donner un petit peu plus de goût. Alors, de ce côté-ci, peut-être. Ouais, remarque. Bon, ça tient de ce côté-là. Bon, lui, il marche. La musique tequila en boucle. Tequila, je connais pas. Tequila, tequila. Bon, bah écoute, ouais, c'est bon. Je récupère un deuxième bâtonnet. Ok, deuxième. Il est où l'autre? Ah, bah il est là. Elle fait quoi avec ses. Bah, en fait, je suis en train d'enlever. Je récupère mes bâtonnets. C'est là où je vais mettre mes crevettes, enfin mes gambas. Ouais, le menu Halloween à sa boss gym. Et d'ailleurs, en fait, je me disais, parce que comme du coup, je vais inviter. Je vais avoir pas mal de choses à préparer, donc je dois le faire sur 2 jours. Vous savez, on fait la pâtisserie par exemple le vendredi, comme je suis en vacances, on fait la pâtisserie. Et du coup, pour les préparatifs du soir même, on fera les apéritifs, les trucs comme ça. Ouais, il faut que je vois comment je. Mais attends, ça va être toute la semaine, hein. Attention, je vais essayer de trouver des thèmes pour qu'on fasse ça toute la semaine. Hein. Oui, c'est des piques à brochettes. C'est pas des piques à brochettes, c'est de la citronnelle. Mais du coup, je voulais les mettre dans le cucul de la crevette. Pour que ça fasse joli, tu vois. Très grande question. Et donc, la gazza ladra de Rossini. Ah, bah, je connais pas. La grazza, la gazza. Ok. Et Didier Bobo, Chihuahua, ça je connais, ouais. Invité, perso. Ah excellence, cardinal la mort. Non, mais il va y avoir mes collègues de boulot. Du coup, en fait, bah, il va y avoir les filles de la dernière fois. Et cette fois-ci, bah, elles viendront avec leurs compagnons. Hop. Voilà. Et puis, j'ai mon couple d'amis aussi. Hop. Alors, du coup, maintenant, on va trier tout ça. Donc, dans tout ça, j'avais compris la tapisserie. Non, pas la tapisserie. Tant qu'il n'y a pas d'araignée. Si, j'aime bien. Je sais pas, je vous dis rien, je vous dis rien. Vous verrez. Voilà. Et je pense aussi au stream avec ma soeur, parce que du coup, oui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Ce sera la semaine avant. Donc, en fait, ce sera la semaine avant Halloween. Et on. Ah non, parce qu'en fait, je vous pour le 2 novembre, je vous prévois aussi un stream spécial. Un peu chelou. Je vous dis pas quoi. J'enlève toutes les parties qui sont pas bonnes. Ouais, dans le cul de la crevette. Mais oui. Oui, c'est pour faire des petits bâtonnets, c'est joli. Mais du coup, en fait, comme c'est pas assez dur, je pense que je vais les faire revenir à la plaque. Sur une plaque pour que ça durcisse un peu. Merci pour le follow. Ah, mais non, je croyais que vous étiez avec moi. Merci, Podrez. Mais non, je croyais que vous étiez avec moi. Ouais, du coup, vous voyez pas ce que je fais. Hop là. Merci Podres pour le follow. Voilà, donc en fait ils sont là mes bâtonnets. Et je vous montre ça depuis tout à l'heure, mais en fait vous voyez rien. Oui, Gastro, je stream le. Attends, c'est quand? Je stream avec ma soeur le dimanche. C'est le 25, je crois, dimanche 25. Oui, parce qu'elle me. En fait, elle me rejoint de l'autre côté. Voilà.
On va passer quelques jours ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bon. Hop là. Et donc, les pics à... Oui, voilà, les pics à brochettes, ils sont là. Parce qu'ils sont pas assez durs. Parce qu'ils sont pas assez durs. Et vous pensez pas que le goût de la citronnelle va se révéler un petit peu plus? Bon, on va voir. C'est pour qu'ils durcissent. Parce qu'en fait, quand je fais rentrer la crevette, c'est pas assez dur. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit goût de citronnelle. Ça vous va? Ok, on essaye hein, quand même. Hein. Allez. Allez, allez. Du coup, hop. On y va. Bon, juste le faire rapidement. J'ai déjà une plaque. Je comprends rien. Tu vas faire des brochettes au barbecue? Non, je vais faire. Oh. Je vais prendre ces pics de citronnelle, je vais les faire revenir à la poêle pour que ça durcisse. C'est quoi cette blague Bigfoot? Arrêtez, faut pas me lancer sur ça, moi je suis trop bon public. On va juste les faire revenir rapido. Qui est un truc grand. Non mais t'as vu la farchette? Ouais, non mais grave. Ok. On y est. Très bien. Très bien. Donc écoutez, nos crevettes, on va les mettre de côté. Hop, on va juste les faire revenir rapido à la poêle. 2-3 minutes. Je m'active un peu quand même. Donc on va manger du bois. Mais non, ce sera le pic à brochette, ce sera le support. Et comme ça, en fait, les crevettes, elles auront le goût un peu de la citronnelle. Donc là, on va hacher la citronnelle. On va surtout hacher nos crevettes aussi. Oh là là, je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Ok, on y va. Un couteau. Go. Donc un peu de... Ouais, bonjour cycle menstruel, salut, ça va? Est-ce que ça va vraiment nous changer gastro? Non mais Bigfoot, arrêtez. En plus, je vous dis qu'il y a des trucs qui sont bons. Qu'est-ce qu'on avait fait lundi soir? Lundi soir, c'était quoi lundi soir? L'Allemagne. Eh ben écoutez, le chou rouge était très bon. Ah, ben, vous voulez savoir en fait le petit souci, est-ce qu'il y a des petits soucis ou pas? Eh ben franchement, non. Et je vous dis vraiment la vérité, il n'y a eu aucun souci. J'en ai mangé lundi soir, j'en ai mangé mardi midi, j'en ai remangé hier soir et je n'ai eu aucun souci. Donc le chou rouge, ben, écoutez, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci au niveau de l'estomac. Voilà. Ouais, et sinon, bah, le rôti, il était cuit parfait. Et on avait fait quoi d'autre? Le chou rouge, je sais plus. En tout cas, c'était bon. Un peu de gentleman attitude. Ouais, tu m'étonnes. Merci, Natacha, toi, t'as vu? Alors, du coup, là, je vais juste émincer la citronnelle. On va en mettre un petit peu dans notre farce. Vous allez voir. Hop. Ah, mais oui, mais je comprends pourquoi. Mais non, donc mes bâtons, il faut que je les récupère. C'est ça que je voulais faire. Je récupère mes bâtons. Ça y est, je me disais, mais qu'est-ce que je voulais faire? C'est ça quand je suis pas concentrée. C'est bon, mes bâtons ils vont être nickel. C'est bon, c'est bon. Donc on va juste faire cuire les crevettes. Non, on va pas les faire cuire, faut pas les faire cuire. C'est monté au cerveau, c'est bon. Ouais. Comment ça? Et il s'appelle Tigrou. Alors, on me dit souvent que c'est parce que le chat n'était pas pris. Donc, effectivement, il n'y a pas eu grande recherche dans le prénom. Le chou rouge, c'est du poison? Ah, pourquoi tu dis ça, Castro? T'as des infos dessus? Ok, bon, écoutez, je pense qu'on est bien. Là, il y a un petit peu. On va vraiment hacher très finement. Et je vais aller chercher ma farce aussi. Et donc, c'est son double sur des clopes. N'importe quoi. Sinon, la soirée entre filles la semaine dernière. Ouais, cycle menstruel. C'était pas la semaine dernière, c'était encore la semaine d'avant. Ça passe trop vite. Ouais, c'était hyper sympa. Mais écoute, on était hyper contentes de se retrouver toutes. Bon, on s'est raconté, bah, je vous disais, hein, on s'est raconté un peu nos Kevin. Et puis la fin de soirée a commencé à être un peu intéressante, mais bon, il était tard. Voilà, enfin, un peu intéressant. Voilà. On est rentré dans les sujets un petit peu plus. Hein. Voilà. La cam vue haut sur le décolleté. Ah mince! C'est vrai? Ok. Ok, donc là on est bon. Ouais, madame veut des subs et des dons. Ouais, non, habituellement non, en fait.
Parce que du coup, pourtant je suis bien la lampe. Là, vous voyez ce que je fais. Et ils ont pensé que c'est un petit qui était roux, vive l'originalité. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, merci Natacha, désolée pour l'originalité, c'est vrai qu'on est pas mal. Mais c'est justement ce que je voulais, voir des discussions de meufs sur les mecs. Ouais, c'est ça. Bah, c'est arrivé, mais en fin de soirée. Un petit peu. Hop. Après, c'est vrai que bah, il y en a qui sont plus à l'aise pour en discuter. Moi, il n'y a pas de souci, moi j'en discute de ouf. Après, il y en a qui sont un petit peu moins quand même. Mais non, c'était cool, franchement, c'était cool de voir les filles. Et donc, du coup, donc, les filles reviennent pour la soirée Halloween. Le 31. T'es célib ou pas? Mais arrêtez de me poser toutes ces questions. Alors, je vais vous répondre exactement comme je réponds à tout le monde. C'est compliqué. Allez, je vais chercher ma chère. Ah, elle n'est pas célib, elle monte dans les tracts. Excellent, c'est conventionnel. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, ça, c'est de la farce en fait, c'est du porc haché. Hop, hop. On va mélanger ça avec nos crevettes. Un petit peu, donc notre citronnelle. J'espère que j'en ai pas trop mis. Voilà, on va mettre aussi un peu de gingembre, du piment. Et en fait, après, on va reformer des espèces de petites boulettes sur la brochette. C'est pour ça que j'ai pas besoin que. Hop. Et donc, du coup, c'est du porc halal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Excellent. T'as qu'à dire que t'es célibataire et libre comme l'air. Ouais, mais attends, mais oui, mais si je dis que je suis célibataire, c'est les portes ouvertes. En fait, il y a plein de monde qui va m'envoyer des messages, non? Mais je vous avais expliqué que voilà que je suis assez libre en fait. Hein. Enfin voilà. Je recherche pas en fait. Ça, juste pour les gonzesses, ça c'est compliqué. Ouais. Non mais pour vous aussi c'est compliqué. Hein. Non, vous aimez les nanas, mais disons qu'au bout d'un moment, il y a besoin d'y avoir d'autres nanas, quoi. Ouais, bah ouais. C'est. Ouais. Non mais attends, tu comptes pas, c'est compliqué. Meilleure réponse, merci Maya. Non mais tu attends, tu comprends pas. Ah! Arrête, Bigfoot. Comment faire des brochettes si tu dé. Ouais, du coup, en fait, cycle menstruel, non, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas des brochettes que je voulais faire. Enfin, si, c'est des brochettes en fait. Mais en fait, on va mixer la farce. Là, je suis en train de la couper en tout petit. On va reformer la farce. Ouais, c'est pas ça, les gars, mais il faut pas que je dise que je suis célibataire, sinon je vous raconte même pas, quoi. Non, je rigole. Ah, pardon. Bon, bon, bon. 1, 2, 3. Qui t'a dit ça? Fake news. Les hommes sont toujours fidèles. Ah ouais? Ouais. Fake news. Je suis pas sûre. Non, mais après, moi, je peux comprendre hein, qu'au bout d'un certain temps. Mais bon, après, il faut quand même que la compagne soit au courant. De toute façon, la compagne, elle aussi, ça la gonfle d'être tout le temps avec elle-même. On passe du côté. Ouais, mais c'est ça en fait, donc je peux pas, moi. Fidèle à toi-même, ouais, score de la mort. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Et je vais les former, tu sens, on va essayer de faire une espèce de. Je sais pas, vous avez déjà vu des tubes de sucre. J'aimerais bien faire ça, cette forme-là. Je sais, c'est pas intéressant. Vous verrez. Ouais, vous verrez. Donc, ouais. Ok, donc là, j'ai ma farce. Je me trompe, ça. Perso, j'ai une éducation religieuse, donc ça sera un one life. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est bien, c'est que mortel. Bah, du coup, moi, j'étais. Voilà, quand j'étais jeune, j'y croyais. Mais en vieillissant, bah, on se rend compte que. Désespoir, désespoir. Hop là. Très bien, on va mettre un petit peu de notre basilic. On va mettre une cuillère à café de purée de piment. Et parfait, ça. Plus pour les autres, c'est clair. Ok, donc là, notre farce, elle est bien. Bon, je vais la mixer avec les doigts après. Ouais, faut que tout se mélange. Alors, ciseaux.
Ensuite, on va mettre. Hop, ça c'est bon. Je n'oublie pas d'ingrédients. On a mis notre citronnelle. Oui, on va mettre du gingembre et. Et du. Ouais, du gingembre frais. Et une cuillère à café de piment. Et celle-là aussi, je la note. Non, mais je me suis trompée. De quoi? Attends, Vince, il a dit quoi? Ne pas confondre tromper sa femme et se tromper de femme. Excellent. Ah, Vince, excellent. Surtout si c'est des rentières. Ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, un petit avantage quand même. Hein. Non, mais il faut en discuter avec le partenaire, c'est tout. Hein. Hop. Voilà. Et pour les rendre heureuses, laisse-les tranquilles. À coup dur pour nous. Dis tout de suite que tu aimerais refaire l'intérieur de leur jardin si tu veux. Ah oui, c'est bien les gars. Ouais. Le petit jardin secret. Ouais. Ok, bon. Non mais c'est ça, quand on est des filles, en fait, on nous élève dans l'illusion du prince charmant jusqu'à la fin de sa life et tout, mais c'est tellement pas ça en fait. Il faut arrêter de dire ça aux petites filles. Voilà, très bien. Gingembre frais, on va en mettre un tout petit peu. Donc gingembre, hein. Très bon. Donc ça réduit les inflammations et tout, c'est très bon et ça aide pour la mémoire aussi. Hein. Concentration et tout. Et effet aphrodisiaque, ça je suis pas sûre. Oh, peut-être, j'en mange beaucoup. Et trouver des serres jumelles. Ouais, bah oui, moi j'ai une serre jumelle. Très bien. Ouais, le prince charmant, mais oui, mais grave, à chaque fois on dit aux filles qu'elles ont le prince charmant et tout, mais tu parles, que dalle. Que dalle. Surtout aujourd'hui avec les mecs d'aujourd'hui, hein, je veux pas dire, mais. Sinon, le fameux j'ai glissé. C'est quoi? J'ai glissé chef. Qu'il est de ma classe de gentleman. Oui, bien sûr, et. Voilà. Non, moi je suis une grenouille, pas un prince. Ah, donc il faut faire un bisou pour que tu transformes. C'est le prince et la grenouille, non? Attends, c'est quoi? Le prince charmant, il existe, c'est le prince de Lune. Mais grave, alors celui-ci il pourra nous faire la seule, ouais, alors lui il pourra même rester à vie avec nous dans les capillaires, dans nos petits, dans nos tissus adipeux, hein. Si on en mange de trop. Trébucher en roulant juste jusqu'à chez toi avec une femme, vous déshabiller par Yann et faire papa dans maman, c'est vite arrivé. Oui, c'est vrai, c'est ça, il faut trouver en fait. Oui, ouais, parfois ça t'est arrivé, cycle menstruel, de te retrouver dans des situations rocambolesques comme ça. Ça dépend de comment s'aborde une fille. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Hop. Très bien. Bon, bah écoutez, on a fini notre farce. Du coup, on va les monter sur nos bâtonnets de citronnelle. T'attends le mariage avant de le faire? C'est vrai, cycle menstruel? Waouh! Bravo! Ah ouais, j'ai mangé. Ouais, waouh, purée. Bah, super, génial. Tu as dit peu, oh my god, c'est pas faux. Tissu adipeux, tu sais, c'est ce qu'on a en fait, c'est ça la capillarité qui fait. Ouais, qui fait la graisse, tu sais, quand tu vois les capitons là. Très bien, bah écoutez, on va façonner nos petites boulettes. Là, je vous prends avec vent. Go. Ah ouais, bah du coup, ça apprend la maîtrise. Ça apprend la maîtrise de toi. Mais t'as quel âge, si comment tu fais? Parce que du coup, ça doit être dur. Hein. Moi, je dis chapeau. Ouais, grave. Hop, on va nettoyer un petit peu le temps de travail. Je vous fais un peu de travail propre. Voilà. Et il y a juste les panneaux, en fait, ça commence à sentir. Ouais, on va les laisser encore un petit peu. Très bien, donc là nous avons notre farce, donc il y a du porc, on a mis des crevettes, citronnelle, il manque juste la cuillère de purée de piment, donc du coup j'utilise la sambalex, c'est la purée chinoise. Est-ce possible de faire une tournée générale de calories perdues? Ah, pourquoi tu veux faire une tournée générale de calories perdues? Ah, attendez, parce que même les streams jusqu'à... Parce que, hop là, ouais, il y en a qui... J'espère que le natto va être programmé très prochainement. Vendredi soir, je te dis ça, scandale à mort.
21. 21? Ah ouais! Bah franchement, chapeau. Ouais, c'est chaud de contrôler quand même ses pulsions et tout. Hein. Bah après, ça dépend de ce qu'on veut aussi. Voilà, c'est ça. Donc oui, Nattershop. Et pourquoi tu veux faire une tournée générale de calories perdues? Bon là, je mélange bien. Tu sais pas le nombre de fois où je me suis dit, allez, c'est bon, elle est super chaude. Pour un coup, le soir, vite fait, c'est pas grave. On me demandait si j'ai bien fait de le faire ou pas. Ah ouais, bah ouais, j'imagine que ça va être dur quand même à bah, gérer, quoi. Et toi, ouais, c'est vraiment toi qui veux ça. Et si tu trouves pas, en fait, la princesse charmante? Je sais pas si c'est... Je sais pas, Natasha, du coup, je sais pas du tout. Non, je sais pas à combien ils en sont, les gens. Par contre, il y a des streams de prévu parce qu'il y en a qui ont gagné des points de calories. Il y a un stream spécial beurre qui est prévu. Un stream spécial. Natto. Bon, Natto, il sera avec autre chose. Ah, c'est ça! Ah, d'accord, ok. Tu veux gagner des. Ah, d'accord. Parce que tu veux imposer un ingrédient, c'est ça? Oui, j'ai pas compris. Un plat. Mais du coup, par exemple, Gastro, il a offert ses points de calories. Donc, essaye de soudoyer quelqu'un pour avoir ses points de calories. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui en ont plus de 60 000. Hein. Ouais, qui croyaient que c'était typique du malade d'attendre. Ouais, mais moi aussi, je comprends. Ouais, grave. Alors, on y va. On va former. J'espère qu'on va faire une forme un peu particulière. On va voir si ça marche. Ah bah oui, mais du coup je vous ai changé. Et donc gastro, moi aussi j'ai eu chaud, lol, à 20 ans. Ah ouais? Ah, vous avez attendu longtemps quoi. Bon après moi je suis pas partie non plus de celles qui ont... Mais attendez, bah parce qu'en fait j'ai changé, mais voilà. J'avoue que ça me fait très peur de trouver une meuf qui aurait un passé caché, genre qui aurait fait la tournée des mecs. Ouais, pourquoi ça te fait peur? Parce que du coup, c'est sa vie d'avant, c'est pas grave. Et si avec toi, elle le fait pas, tu vois? Ouais. C'est hardcore de... Bah oui, c'est clair, bah oui, j'imagine que c'est dur de se retenir. Bah ouais, surtout si la fille, elle est, tu vois? Si elle aussi, elle veut bien, quoi. Très bien, donc écoute, on a une première baguette. Par contre, baguette, n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la poêle. En fait, je vais changer. Hop là. Toi, tu restes là. On va mettre juste un tout petit peu de matière grasse, mais un tout petit peu. Et ça, je vais mettre dans une assiette parce que je trouve que ça accroche un petit peu tout. Alors, tu viens. Voilà, le premier il est là, le deuxième. Et donc, le stream. Oui, alors si c'est son passé, qu'est-ce que tu en as? Oui, voilà, c'est ça, gastro. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est son passé en fait. Après, au final, on peut faire des erreurs, tu vois. Imagine, tu passes à côté de ça alors que. Puis, c'est pas forcément des erreurs, hein, sinon on a envie de faire ça. Donc, moi, je trouve ça ultra con de se retenir. Ah merci pour la phrase. Merci, Kélissus, c'est ça. Bah, surtout si tout le monde est consentant en fait. Si, moi j'ai beaucoup changé à 20 ans après le décès de mon père. Ah, d'accord, ok. Et du coup, t'as changé. C'est-à-dire que t'as beaucoup changé. Ah, toi aussi, t'as ton papa, ouais. D'être aussi sérieux, merci, merci. Non, mais lui, je suis pas encore un adulte. Ok, et donc à l'âge adulte, l'évolution, moi je trouve ça ultra con. Ok, et donc à l'âge, l'évolution de la personnalité des individus est lente. Ah ouais, à l'âge adulte, bah moi, tu vois, je trouve que je me suis plus révélée en approchant de ma trentaine que quand j'étais plus jeune, parce qu'à 20 ans, je me trouvais vraiment très conne, quoi. Je suis
Fais attention à des choses qui n'étaient pas importantes. Je pense qu'il y a des masques et du gel. Voilà, c'est ça exactement, Gaston. Et encore, hein, on va faire le masque. Je pense qu'il. Bonjour Ninchou. Je pense que le masque il tombe. Enfin, tu vois, tu peux pas le garder non plus. Hop. I'm sexy and I know. Bonjour Maïkou. Ma couille. Ouais, coucou, salut. Ouais, certains ont changé de jambe de bois. Du halouf et bé. Ninchou. Trop fort. Donc là, ce sont des crevettes. Oui, c'est vrai qu'on a mis un peu de halouf dedans. On a mis du halouf. Oui, c'est vrai. Ayez toujours du chat avec vous et lavez-vous les mains. C'est quoi le chat le... Mon père dit qu'avant il était un jeune con, maintenant il dit qu'il est un vieux con. Ouais, voilà, bah c'est ça. Ouais, ouais, donc une vieille conne maintenant. Ouais, je sais pas. Non, mais je dis pas que je suis conne. Hein. Quoique par moment on peut se poser la question hein, quand même. Ok. Très bien, bon bah écoutez, on va juste les faire revenir rapido. Bah à la poêle. Est-ce que... Non, est-ce que je fais ça à la poêle ou au four? Avez le peuple. Au four, au moins, je suis sûre que bah, ça va pas se désolidariser. Ouais, on va faire ça au four. Parce que là, j'ai un petit doute, en fait. Ouais. Très bien. Bon, on attend encore nos paniers. Allez. Et on va s'attaquer, en fait, à nos langoustines. Parce qu'on va faire une espèce de sauce. Et donc, solution... Ah, solution. Merci, merci, Damien. Désolée. Tu prends un chat et tu t'essuies les mains pendant l'école, moi. N'importe quoi. Cabran, bonne journée. Merci d'avoir été là. Merci, Cabran. Et donc, tu te trouves plus mûre, c'est obligatoire comme tout le monde. Mais je suis sûre que tu as encore la plupart de tes façons magiques. Ah, cycle menstruel. Ah non, non, du tout. Moi, c'est le jour et la nuit. Non, non, du tout. Moi, c'est le jour et la nuit entre aujourd'hui et... ça, je peux te le dire. Hein. Et il y a 10 ans, il n'y a pas photo, quoi. Et je me préfère moi aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis, purée. Il y a 10 ans, mais mon Dieu, quoi. Ta claque quoi. Bon, peut-être encore aujourd'hui pour vous, hein, mais moi dans ce que je faisais, mais mon Dieu quoi. Mon Dieu quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un grand chêne, je suis devenue le roi des glands. Et alors, c'est cool d'être le roi des glands, hein, score de la main. Oui, les popcorns, ils vont arriver à ma couille. Donc, ça va partir au four du coup. Merci pour ton troisième mois de sève. Voilà, c'est trop bien. Il y a tous les petits. Il y a le chat, popcorn. Ouais, merci. Bonjour, bonjour Gigi la misère. Tu veux des doses? Non, Damshin, c'est pas. Non, je suis pas très fan. Ah, alors attention. Enfin, Ovalie, enfin. Ah, c'est Pop. Salut, c'est Pop. Comment tu vas? Merci, ma couille, pour le troisième mois de sève. Merci. Voilà, ça fait trop plaisir. Merci. Bon, mettre nos brochettes, paner, c'est bon. Basilic, on fait le truc qu'on fait juste après. Et nous attaquons aux langoustines. Alors, langoustines. On va récupérer les carcasses et après on va faire un espèce de jus. Merci ma couille, ça me fume beaucoup trop. Ça mérite un petit verre de rouge là. J'ai eu peur. Attends, pourquoi t'as eu peur, Guigui la misère? Au Québec, on dit melon d'eau. Ah, melon d'eau, c'est quoi le melon d'eau? Attendez, là je suis paumée. Vous parlez de quoi? Du vin? Ah, la pastèque! Melon d'eau! Pourtant, même dans le melon, il y a beaucoup d'eau. C'est vrai que dans la pastèque, il y en a beaucoup aussi. Je fais le petit point vaisselle et après, on fait notre sauce aussi. Bon, après. Et donc, bonjour c'est Pop, ouais, ça va? Elles sont si fortes les alertes, je vais faire... Ah ouais, c'est clair, Guigui la misère, ouais, c'est clair. Mais en fait, j'ai augmenté le son parce que du coup, j'avais pas entendu le premier follow. Attendez, je vais baisser un petit peu. Mais au moins, tu vois, s'il y a du bruit dans la musique, si je suis en train de mixer et tout, normalement, j'entends tout. Qu'est-ce qui rentre le mieux en toi, le melon ou la pastèque? Je peux trouver, attends. Bon, quelle polémique. Non, non, t'as vu, là, j'ai fait cette pub, j'ai fait tranquillos. J'ai fait tranquillos, ça. C'est que c'est un overlay qui est tout mignon, tout mimi, tout mimi. Il y a Booba Camp, il y a des petites crevettes, il y a notre crabe qui est trop beau, là, de chez Disney. Voilà. Et on a Forrest Gump, voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va juste récupérer la pâte et les langoustines. Non, on finit le point vaisselle. Bon. Bon,
Là, en fait, la clé pour avoir une vie sexuelle épanouie, c'est vraiment avoir confiance en soi. Et franchement, on est juste trop bien à ça. Je sais pas pourquoi je reviens sur ça. Je sais pas, je pensais à ça. Voilà. Et donc, du coup, ah ouais, le melon charentais ou celui d'Espagne. Attends, la mort ou le titi? Ah oui, non, c'est la journée des enfants, c'est vrai. Et ben justement, il faut que les enfants ils aient plus confiance en eux. Oui, ça, c'est un gros, gros souci de la société. Ouais, ouais, ils ont pas confiance. Hein. Hop. Et tout dit, j'ai pas que... Ouais, moi, je pense que je vais me taire, en fait, je vais m'arrêter là. Hein. Merci pour le follow. Merci, Weshden, merci pour le follow. Alors, c'est bon, on a fini pour le vaisselle. Et ça sent trop bon. Ah, le panier, ça sent bon, quoi. Alors, c'est pop. Wouhou. Alors, attends. Je vais finir la vaisselle. Je vais mettre devant mes carcasses et je vais te lire. Et du coup, tiens, ça, c'est bien. Avec du... Ah oui, c'est vrai, Delphine. Avec du love, c'est trop facile. Du love, c'est quoi du love? Il y a quand même un chaudron qui brûle, ça nous ramène à des heures. Ok, c'est bon. L'arme est bon. On y va. Bonjour, Kafa. Ouais, coucou, comment ça va? Coucou, comment ça va? Ouais, donc du coup, j'avais les graviers, c'est mon dada, d'accord. Fais gaffe, le roi te surveille. Ah, t'as fait un clip? Arrête! Attends. Donc le clip, je le vois pas ici. C'est pop, je te reviens. Attends. Ouais, de ça. Attendez, je reviens. Juste, je regarde. Hop. Et donc, un problème est survenu. Ah, d'accord, ok. Donc, gastro, du coup, je sais pas. Ah, on n'a pas réussi à trouver. C'est un clip que j'avais fait, c'est ça? Que t'avais fait? Hop là. Très bien. Donc, nous allons en garder. En fait, on va garder la queue des langoustines. Comme ça, on va... quand on va faire la présentation, il y aura la queue. Il faudra couper, donc si vous l'utilisez avec des gens et tout, il faudra couper au milieu et puis après écarter avec le couteau. Voilà, ça reste le moyen le plus classe de s'en faire avec les doigts. Allez, on va les couper. Je mets les brochettes au four. Ok Google, peux-tu me mettre un minuteur sur... allez, 7 minutes s'il te plaît. Bien sûr, un minuteur de 7 minutes. Merci. C'est parti. Parce que du coup, je sais pas combien de temps ça cuit. On va y aller doucement, hein. Et la torchette, elle dit quand Kata s'en va, il va cafarouler. Il va cafarouler. Voir pour faire. Alors, du coup, j'ai pas compris. Pas assez confiant, c'est sûr, mais c'est si dur. C'est quoi, Guigui, qui est si dur? Tu as loupé les conseils. Arrête, Bigfoot. Arrêtez. Ça y est, vous vous remanquez. Ouais, non. Bigfoot, c'est pas gentil. Non, j'ai dit que si, bah, en fait, je vais le redire tout simplement. Si on veut avoir une vie sexuelle épanouie, il fallait vraiment avoir confiance en soi et assumer en fait son... Voilà. Soi. Voilà. Petit conseil. Voilà. Attention toujours, tant qu'on fait de mal à personne. Hein. Attention. Du coup, Maya, tu t'en es bien sortie avec mon pavé. Ouais, du coup, c'est... Ah bah non, du tout. Hein. Attends, c'est pop, je reviens. Alors, la Boba Gum Shrimp Company. Ah, c'est ça, Wiki. Merci, Wiki, ça pop. 44. Ouais, du coup, en fait, ce que je disais en fait au début du stream, c'est que j'en avais fait un à New York. Bon, c'était cher pour ce que c'était en fait. Hein. Mais ouais, ils ont joué à fond dessus. Truc de ouf. Merci. Et donc, hop là. Ah. Et il faut avoir des trucs à faire, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. bonjour, Ovaline, comment tu vas? Oui, c'est ça, Bigfoot. Ouais, c'est ça. Et un tracteur, si possible. Non, je déconne. Ouais, ça va bien. Ouais. Oui, Guigui, la misère, c'est vrai que c'est très dur. Mais en fait, il faut faire abstraction de tous les gens qui sont autour de toi. Il faut que tu réfléchisses à toi ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et les autres, en fait, tu... Hop. Très bien, donc nos carcasses, on va les mettre dans cette casserole. Donc je vais simplement mettre la tête et les pattes. Et on va garder le corps. Soyez un ermite. Ouais, bah oui, bah soyez un ermite, du coup tu vois plus personne quoi. Hop. Alors attendez. Hop là. Venez avec moi. Voilà. Donc là nous avons la première carcasse. Ah mais attendez. Bon, on va les mettre là et après il faudra les saisir un peu quand même. Voilà.
si la madame elle veut que je lui fasse mal. Okay. Si elle veut que tu lui fasses mal, bah je sais pas. j'en sais rien moi. Tu veux Caïs, j'en sais rien moi. Bah si elle veut que tu lui fasses mal et que bah tu lui fais mal, non? Hein? Pourquoi c'est une couleur verte? Attendez, je vais... Et donc du coup, moi je vais être heureux, faire ce qui me plaît et me laisser dormir le week-end. Ouais, c'est pas mal ça. Moi je suis d'accord. Chacun fait ce qu'il aime en fait. Voilà, ok, on continue. Et donc du coup, blague, attends, c'est quoi pour avoir confiance. Oh ouais. Il paraît. Attends, scandale à la mort, à Bigfoot, il paraît qu'elle a acheté. Ouais, j'ai acheté une halter, vous voulez la revoir? Non mais sans déconner, arrêtez. Bah il faut que tu trouves la. Ouais, il faut que tu trouves la nana qui a des occupations en fait. La nana qui a pas besoin d'être occupée avec son mec, quoi. Et vous vous retrouvez pour les bons moments. Mais le problème c'est que les nanas, elles n'arrivent pas à s'occuper toutes seules, c'est ça le souci en fait. Hein. Gros gros souci. Hein. Et il faut apprendre à s'occuper tout seul. Ouais, et du coup, la vie à deux est géniale. donc du coup, ouais, mais grave, Caïus. Mais ouais, mais du coup, ouais, c'est avec te, bah, toi si ça ne t'arrange pas, mais voilà, tu vas avec elle, quoi. Très bien. Une nana en temps partiel. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas ça. C'est que dans un couple, ouais, chacun doit vivre, voilà, vivre sa vie, mais à deux. Enfin, chacun, comment dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien, nous avons nos queues de langoustine. Donc, ça sera comme ça dans la présentation. Ça sera pas mal. Je veux surtout pas. Il faudra peut-être mettre un pic. Je veux pas qu'elles se rétractent. Non, je pense qu'elles se rétracteront pas. Très bien, donc on va saisir nos carcasses, on va remettre un petit peu de citronnelle, on va mettre du citron vert et on va réutiliser, vous savez, un bouillon que j'avais fait la dernière fois. Ça devient du JCVD. C'est quoi JCVD? Vive chacun de ce côté, mais à deux, c'est clair. Oui, mais oui, non, mais vous n'avez pas compris en fait, c'est pas grave, moi je me comprends. Ok. Ok, on y va. Non, mais c'était juste. Oui, je sais, Calice. Ah, c'est Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est ce que tu crois, Gastro? Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui aimeraient bien vivre avec moi. Hein. S'ils comprenaient ce que je veux dire. Ok, bon, bah écoutez, les paniers, ils sont prêts. Je récupère. Et on va saisir nos carcasses. Allez, go. Go, go, go. Je vais mettre un petit peu d'huile. Vraiment un petit peu comme d'habitude. Bonjour Tio. Hey, salut, ça fait un petit moment. Salut. Bonjour Doom. Ouais, comment ça va? Ouais, c'est ça Doom. Ouais, ouais, elles sont. Oui. Ouais, ouais, ce que je me suis dit. Ouais, merci Doom. Et même truc, hop. Et j'arrive sur ça et c'est très clair pour moi. Tio 65. Ah, c'est quoi qui est clair? Tio 65, ah ouais. Oui, parce que du coup. Gastro m'a dit que j'étais à la JVC, attends, à la JCVD, mais JCVD, il est bizarre, non? Ouais, merci en tout cas les gars d'avoir traduit, mais ça va, attends, c'est vrai la chaleur, là c'est bon, j'ai enlevé. Vivre seul à deux, oui voilà, c'est pas ça en fait, c'est pas ça le concept, c'est chacun fait ses trucs. Mais vraiment, enfin chacun fait ses trucs, mais on est à côté, hein. On est tous ensemble. Enfin, on est tous ensemble. On est tous ensemble, quoi. Mais ouais, enfin, si l'autre a envie de faire un truc, enfin, laissez l'autre faire le truc, quoi. Je sais pas. Mais bref, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je veux dire, donc c'est pas grave. Donc ce n'est pas de la JVC, c'est de la Maya. Allez, nouveau. Bonjour Marie-Ananas, salut, tu vas bien? Non, mais vivre à deux, mais seul. Ouais, non, mais non, vous comprenez pas, en fait. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, allez, le gars il se met à jouer aux jeux vidéo. Et ben la nana sera à côté, elle va dire ah tu passes pas ton temps avec moi. Attends. Tu préfères jouer aux jeux vidéo? Mais en fait c'est pas qu'il préfère jouer aux jeux vidéo, c'est qu'en fait il aimerait bien jouer aux jeux vidéo, mais bah toi t'as rien pour t'occuper, donc du coup en fait tu viens lui casser les bonbons. Voilà. Vous avez compris l'exemple ou pas? Ah, vous avez compris ou pas l'exemple? Ouais, c'est mieux avec l'exemple, hein. Ouais, merci Marianas de passer. Vous avez compris l'exemple ou pas?
Donc la nana, il faut juste qu'elle s'occupe en fait. Pas du... Arrête Damshin, mince. Mince. Bon bah mince. Ok, autre exemple. Autre exemple. Je sais pas, soirée chez les copains. Aux vanines. Ouais, non mais... ouais, c'est pas ça, c'est qu'en fait les filles, elles arrivent pas à s'occuper. Voilà, soirée chez les copains. Bah les gars, le gars, il a envie d'aller faire sa soirée chez les copains. Ouais, pas de soucis. Sans l'exemple, j'avais compris. Merci, cafard. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. Au moins, il y a cafard qui comprend. Merci. Voilà, donc soirée chez les copains. Mais il va aller faire sa soirée chez les copains. Mais oui. Enfin, voilà. Enfin, on ne va pas lui casser les bonbons. Cafard, voilà. Et puis, ça ne sert à rien d'être toute la soirée à essayer de lui téléphoner et tout. Non, il fait sa soirée. Tranquille. Laissez-le. C'est ça. C'est bon. Voilà. Et toi, occupe-toi, en fait. Voilà. C'est ça. On est bon. Mais c'est comme vous quand vous allez aux toilettes. Hein, vous n'avez pas besoin de mec qui vous accompagne. Hein. Les filles, elles ont toujours besoin de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les filles, on leur apprend pas à s'occuper en fait. Hein. Aimerion, bonjour Aimerion. Ouais, salut. Non, bah, alors ça, le petit jardin, je suis pas d'accord. Le petit jardin, moi je pense qu'il sert à rien, le petit jardin. Faut tout se dire. Et même les trucs les plus. Hein. Vous savez un peu. Hein. Tu veux que je te la tienne. Attends, que tu me tiennes quoi? Alors attendez. Faut pas construire ta vie autour d'un couple. Le couple doit être en plus de ta vie. Ça doit pas être ta vie. Oui, mais ça doit être, ça doit être complémentaire. Bref, ouais. Et si le copain il prend sous son aile une stagiaire? Ouais, bah là en fait, faut vraiment avoir confiance en son partenaire, quoi. Ok, donc c'est en train de chauffer. On va mettre ma carcasse. Non, mais je pense vraiment que si on parle de tout dans un couple, il n'y a pas de raison de. Bref, d'aller voir ailleurs. Ok. Puis surtout, généralement, quand on va voir ailleurs, c'est parce que, bah voilà, enfin, c'est parce qu'on n'a pas parlé avec sa partenaire, hein, tout simplement. J'ai compris ça avec le temps. Voilà. Car je ne suis pas venue, mais en soum-soum. Ouais, tchoum-tchoum, ouais, tchoum-tchoum, excuse-moi. Oui, tu vois. Ça marche. Ouais, merci, Marana. Non, laisse tomber, en fait. J'essaie de transmettre ma pensée, mais du coup, j'y arrive pas du tout. Un coup de route, bof, bof. Ouais, je sais, Marana. C'est ça, oui, c'est exactement ça, tu vois. Et puis après, on fait des coupes bah, hyper épanouies. Mais du coup, après, ça peut quand même un peu merder. Et ouais, tant pis, hein. Ok, donc là, j'ai saisi mes carcasses. On va rajouter. Donc là, on a des petits bouts de citronnelle qui nous restent. Je vais les couper, je vais les mettre en gros, gros morceaux dedans. Et donc, et j'ai déjà celle de café. Dame-ci. Tu veux me faire des photocopies du café, mon café. Hop là. Ok, comme ça on a utilisé toute la citronnelle, il n'y a rien de perdu. Et voilà, donc je vais sortir des petits bouillons. Vous vous souvenez que j'avais fait quand on avait fait le poisson, j'avais récupéré et j'ai congelé, donc il m'en reste. Ne sois pas trop pressé. J'ai mal à mon pseudo. Ouais, excuse-moi, tu vois. Excuse-moi. Voir ailleurs, sujet délicat. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, sujet délicat, ouais, grave. Voilà. Et donc, je regardais ça en replay par que. Ouais, ça marche, ma ananas. Oui, là, c'est un peu compliqué la prise. Alors, du coup, on va chercher un petit bouillon. Je pense que je vais en mettre deux bien. Ouais. On va peut-être mouiller d'abord. Attendez, on va mouiller. Ouais, je vais mouiller avec de l'eau. Et on va rajouter notre bouillon. Et donc du coup, pour moi, à partir du moment où tu vas voir ailleurs, le couple, il est fini. Non, pas forcément, Guigui la misère, c'est toujours un problème de communication pour moi. Hein. Ouais, non, c'est pour... Ouais, alors moi, enfin, de mon point de vue, en fait, et de mon expérience, c'est un problème dans le couple, en fait. Enfin, si la personne est partie voir ailleurs, c'est qu'il y a un souci déjà à la maison, en fait. Donc on peut pas fermer les yeux sur ça, quoi. ouais, voilà, et c'est communication. Merci pour le follow, alors attention, hein. Merci pour le follow, Six Tire Dra 9. C'est bon, j'ai pas écorché. Bonjour sur Six Dra 9.
AFK boulot, je vais la faire. Ouais, ça marche. Oui, ça marche, Big Foot. Hein. C'est surtout ouais, nul quand il n'y a plus de gel aux soirées. Hein? Ouais, bah oui, c'est sûr. Hein. Drap, c'est plus simple. Ok, ça marche, drap. Ouais, du coup, il faut que, faut pas que j'oublie, je vois, quand vous me dites ça en raccourci. Je pense que, allez voir ailleurs, c'est maladie. J'ai plein de potes qui font ça, j'ai de la peine pour leurs femmes. Ouais, chaud, mais après, du coup, qu'est-ce qui se passe au sein de leur couple, tu vois? Enfin, c'est ça le. On peut pas blâmer, en fait, c'est des deux côtés. Hein. Moi, je suis désolée, mais le nombre de nanas que je vois qui tombent enceintes. Attends, désolée, hein, mais on va venir sur ce sujet. Sujet-là, nombre de nanas qui tombent enceintes et qui oublient carrément leur mec, enfin le mec avec qui elles ont eu leur enfant en fait, parce qu'elles s'occupent du gosse, elles s'occupent de ci, nanana. Ouais, bah il y a un moment, le gars, il est bien gentil, mais voilà. Mais t'es stagiaire. Ouais, il est parti faire les photocopies. Madame, ça fait vieux. Ah, c'est madame! Ok. Donc D2 R1, madame. Ok, donc drap. Ok, je dis drap. Très bien, bon écoutez, nos carcasses elles sont saisies, on va mettre un petit peu d'eau et je vais rajouter mes deux bouillons de poisson, en fait c'est du poisson, hein. C'est si important, ouais mais oui, mais après c'est ça, c'est la discussion, tu veux qu'il y ait fidélité jusqu'à la fin de ta vie, discussion et acceptation aussi. Hop. Ok, premier bouillon. Bon, j'ai mis ça dans des verres à tequila, c'est pas une très bonne idée. Vous savez, c'est qu'on met au congélateur là, pour qu'on puisse boire frais. Ok, deuxième bouillon. Voilà. Bon, bah écoute, en fait, je vais terminer. Bon, c'est bon, je me suis battue. On y est. Bon, après, je dis ça, mais je parle pour de quelqu'un qui a vraiment envie d'être resté avec sa copine. Hein. Après, il y en a qui. Il y en a, c'est des coureurs de jupons, hein. Il n'y aura rien à faire. Hein. Elle skip un ou deux ans après la naissance, donc beaucoup de la femme est en proie au doute. Ah ouais, ah ouais. C'est elle qui est ma couille. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, après, elle a fini, tu crois plus vite la femme. Apprends à cuisiner, arrête! Non, scandale avant. Ah oui, tu penses? Donc toi, tu penses que si le mec il sait cuisiner, la fille elle reste? Tu rencontres ta femme le 25 octobre. Hein? Ah ouais, Kaffar, pourquoi t'as rendez-vous avec qui le 25 octobre? Mon prochain couple sera une pure réussite. Hein, ouais. Excellent. Tu cuisines pas grand-chose. Ouais, bah si, à la plaque, tu peux. Mais c'est vrai que le four est quand même très utile. Hein. Ouais, c'est Maya qui a part, ouais. Ouais, c'est gentil, t'es mignon. Ouais. Donc, sans les mains de tes poches, fais-le toi-même ou va au McDo. Alors, attends, j'ai pas compris. Donc, du coup, vous avez dit, ah, tu es sur un terrain glissant à Sirdra, ça manque une femme, je cuisine jamais. Ouais, c'est ça, oui, oui. Bah, attends, il y a beaucoup de garçons hein, qui cuisinent. Hein. Ça sent hyper bon. Du coup, on a mis notre citronnelle, on a mis le bouillon de, bah, des poissons qu'on avait fait la dernière fois, ce qui nous restait. Et je vais juste, bah, là, on va attendre que ça. On va mettre un petit peu de citron. Voilà. Voilà, on va laisser revenir et après on écrasera tout ça. Et du coup, nous allons nous occuper de notre purée de panais. Alors, ce que je vous propose, je voudrais faire deux versions de purée de panais. Je vais à la douche. Ouais, ça marche, la machine. Ouais, bonne douche. J'attends la Saint-Valentin pour comme... Ah, attends, attendra parce que du coup, c'est compliqué. J'attends la Saint-Valentin pour qu'on m'offre un four. D'accord, ok. Je t'envoie ma... Excellent. Je t'envoie ma mine dès qu'il a fini les photocopies. Ouais, c'est ça, on s'en fout qu'elle cuisine ou pas. Je veux juste qu'elle fasse le ménage. Arrête, Vince! Non, mais c'est pas possible, les gars! C'est pas possible! Bon, moi, ça me dérange pas de faire tout ça. C'est vrai que ça me dérange pas, en fait. Bah, disons qu'entre le temps d'attente entre nous, les filles, où on va essayer de faire le ménage, et vous, il est quand même très, très large. Hein. Tu reprends le taf. Oh, trop bien! Et t'es restée en contact avec tes collègues, tu vois? Ouais, mauvaise. Donc Doom, il est pas. Ouais, Doom, il est pas. Ouais, je suis désolée, Doom, moi je rigole, genre de blague. Je suis tellement bon public, mais au secours, quoi. Purée de panais. Alors.
on va utiliser ça. Hop. Donc on va mixer le tout et donc du coup je vais faire deux versions. Je vais faire une version avec du skir, je sais pas ce que ça donne. Juste pour voir si avec la protéine un petit peu en plus. Et une version avec du lait crémé. Ce que je vous ai mis, du lait crémé, non, du lait à 4%. La crème à 4%. Non, car trop déçu des gens. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. Mmh. Oui, oui, oui. Ouais, en fait, faut rien attendre des gens. Du coup, comme ça, en fait, la vie est belle. Hein. Les pieds sous la table, sur drap. Bah écoute, drap. Les pieds sous la table. Ouais, faut aider un petit peu. Moi, je veux bien que tu mettes les pieds sous la table, mais du coup, il va falloir que tu fasses d'autres choses aussi. Après, j'avoue, hein, il y a des tâches, c'est plus pour les mecs que pour les nanas. Du coup, on s'équilibre un peu sur ça, quoi. Hop. Alors, on va prendre nos paniers. J'ai pas du tout assaisonné, on va assaisonner après. Femme, bonjour Del Tramos. Femme à la cuisine. Ouais, merci Doom, je pense que c'est toi qui as dû... Hein. C'est fou, hein. Et ça va continuer, hein, parce que les enfants, ils ont encore ces préjugés. Hein. Donc du coup, la société, avant qu'elle change, boum, boum, boum. Bon, il y a quand même quelques mecs hein, qui sont quand même... qui ont changé de... Ouais. Mais il y en a qui restent vraiment très... comment dire... fermés. Au moins, quand tu rentres au boulot, c'est propre la maison. Ah bah oui, c'est sûr, hein, Guigui la misère. Ouais, ouais, mais il faudrait que ta copine ne travaille pas, alors, dans ces cas-là. Ouais, je pense que... Ouais, Doom. Donc moi, je suis d'accord, si vous voulez, la nana fait tout, mais si elle ne travaille... Enfin, si elle travaille pas, quoi. Et si elle est d'accord pour le faire. Et vous, même si vous travaillez, voilà. Voilà, égalité. Oui, voilà, Del Tramos. Oui, mais je sais pas, t'as dit une femme en cuisine, Del Tramos. Donc du coup, ça n'a pas plu. très bien, écoute, on va mixer un petit peu nos paniers. Je vais peut-être rajouter un... Ah, j'aurais dû garder notre cuisson. Bon, j'aurais dû garder un peu d'autres cuissons. Bon. Ouais. Ok, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, je vais rajouter la crème. Alors, on va prendre notre ski. Mon ski. La crème à 4% et le ski, j'ai foutu. Bah si, je sais que j'en ai acheté. Hein. Allez, où ? Allez, là, pardon. Je vais détendre avec un petit peu. Là, on va détendre avec un petit peu. Ah, les chaussons. Ouais, c'est des chaussons serres. Ils sont beaux, hein. Ouais. Je les ai achetés chez Primark, je crois. Enfin, je crois que c'est Primark, ouais. Au moment de Noël. Hein. Ah, j'étais ravie. J'étais trop contente. Oui. Et je suis ravie, c'est le principal miraculé. Ah, cafard. Donc, attends. Oui, oui, c'est en juillet, je cuisine... Attends, je sais juste faire un steak et des pâtes. Ah, ouais. Bon, après, c'est pas compliqué, hein, tu verras. Hein. Tu peux regarder si tu veux. Ah, c'est pas toi, Doom, qui a... Donc, c'est Gastro, alors, qui a supprimé le message. Ok. Et donc, je suis en vie, c'est le principal. Comment ça, Tcho, t'es en vie, c'est le principal? Mince, il s'est passé quoi? Ah, c'est bien, Guigui, la misère. Du coup, je suis en train de dire... Désolée, ça prend un petit peu de temps. Ouais, c'est bien, Guigui. Bah ouais, faut pas rester buté comme ça, en fait. Mais oui, on s'en fout, quoi. Mon frère, c'est une fée du logis. Quand il vient chez moi, autant vous dire que moi, je le laisse faire, quoi. Et voilà, quoi. Enfin, ça lui fait plaisir, et ben, je le laisse, quoi. Bon, après, c'est pas sûr que ça nous fasse plaisir tout le temps. Enfin, les filles, on veut bien changer, mais... Bref, on change de sujet. Et donc, je me suis foulée à une chaîne de cuisine. Demain, il neige obligé. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai, Dra, parce que t'aimes pas du tout ça. Ok, bah écoutez, avec l'autre cuisson, ça aurait été mieux, mais je sais pas. Je sais pas. Alors, on y va. Faire notre purée. Bon, autant vous dire qu'avec du beurre, ça va être... Ça serait meilleur. Allez, on continue. Et donc, il faut tu as envie, les yeux bien ouverts, c'est ça. Et ta soeur Maya, juste pour info, je prends des notes. Eh ben écoute, ça va beaucoup mieux. Ma sister va beaucoup mieux. Et elle a repris le boulot et tout, pas de soucis. Nickel, nickel. Ouais, ça a été grosse fatigue et tout. L'ASMR mixeur. Et t'as vu, il est tout petit, l'artiste d'Inette. Hein. On n'entend pas beaucoup. Hein.
Mais Osef, ça me gêne pas spécialement dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais. Bah, bon courage, Joe. Ouais, c'est ça, c'est pour le rencard du 25, c'est ça, hein? Ouais. Mon prof d'anglais, il est en train de faire son cours sur le sexisme au travail, mais je suis en trouble de haut vol. J'ai trop envie de dire des dingueries. Ah oui, mais bon, il faut. Bah ouais, mais devant le prof, doucement, hein? Bah après. Oh, j'ai oublié ça? Ah non, c'est bon. Bah si. Elle a pas sonné. Si, elle a sonné. Bon, c'est pas cramé, alors du coup, je sais absolument pas combien de temps ça a. Ça a cuit. Bon, ça n'a pas l'air d'être cramé, c'est plutôt joli même. Bon, je sais pas, il faudra que je reprenne le stream et que je vois combien de temps ça a cuit. Mais bon, je pense que voilà. Donc, vous voyez à quoi ça. Bah non, vous voyez pas. Du coup, c'est pas cramé, c'est joli. Ouais, ça ressemble à ça. C'est pas mal, hein? Ah, bah celui-là, il est bien. Voilà. Voilà, ça n'a pas cramé, c'est le principal. On va dire ça. Ok, et donc du coup, j'ai un batteur pour faire la maillot Moulinex des années 50. Ah bah, tant que ça marche, moi je dis, moi j'ai un truc qui date des années 90, je pense. Non, allez, 2000, pas déconner. Si je dois tout faire à la maison, why not, tant que ma copine ne te pose. Oh, c'est trop mignon, Guigui, c'est trop mignon. J'adore dire les trucs, c'est bien. Ouais, c'est drôle, mais il faut que tu fasses attention au cycle menstruel, parce qu'aujourd'hui, il y a plus à plaindre que moi. Ouais, bravo, Tcho. Tu m'étonnes. Bravo, bravo. Ouais, bravo. Il y en a qui penseraient pas comme toi, en fait. Ok, bah écoute, on va mettre notre purée ici. Deuxième tournée. Bon, pareil, je vais détendre un petit peu avec de l'eau, puis après on fera les deux purées différentes. Hop. Ça sent trop bon! Allez, go. On continue. Et donc, du coup, attention, je note la déco. Laquelle déco? Il n'y a pas de déco là. si tu me vois à part une cicatrice, tu te douteras même pas que j'ai eu un accident. Ah ouais. Ouais, c'est pas cool quoi. Ok, bon bah écoutez, ouais, on est presque. Je m'active un peu. En proposition sur le verre, ouais. Hop là. Ok, encore un tout petit peu. J'aime bien, on va essayer de faire une purée lisse en fait. On va la passer au tamis. Ok, c'est pas mal. Alors, on récupère. Bon, je passe d'abord tout au tamis et après je fais mes mélanges. Voilà. Et je vous prends avec moi. Et donc, si quel modo. Ça va chier. Pourquoi ça va chier les bulles? Ah, qui a supprimé le message de cafard? J'ai pas vu. C'est quoi? Jalapenos, en fait, c'est des petits piments. Attends, je vais te montrer. Ouais, c'est des petits piments qui sont surtout utilisés en Amérique du Sud. Enfin, en Amérique du Sud. Non, en Amérique centrale, au Mexique, on a utilisé. Ouais, c'est des petits piments. Et donc, quel modo. Ouais, t'as vu cafard? Je sais pas. Moi, surveille tes propos. Ah, pourquoi Gastro, il a dit quoi, cafard? Alors, du coup. Nos carcasses sont prêtes. Chinois, ça va être génial, ça va être génial, ça va être génial. Et donc j'ai fait une vague à chaud qui l'a très bien prise au passage.
Et donc du coup c'était Martine, t'inquiète, je sais qu'il troll, il n'y a pas de souci. Ok, mais j'ai pas vu cette blague en fait. Très bien, alors attendez. Alors on va aller dans l'ordre. Je vais aller chercher mon chinois. Je vais prendre mon... Déjà on va ouais, on va passer au chinois. On va récupérer la sauce. Bon, c'est pas tellement un chinois, c'est un truc pour faire des pastas. Et donc du coup. Ouais. J'aime bien savoir c'était quoi la blague. On met notre purée de côté. On peut tout me dire, je suis très ouvert d'esprit. Ouais, bah j'ai pas. Du coup j'ai pas vu. Bon. Alors carcasse. Du coup nous avons utilisé. Ce, en fait ce truc, c'est ce truc. C'est un panier en fait où vous mettez les. Vous savez les pâtes fraîches, hop, on les plonge dans l'eau. C'est un truc japonais. On plonge dans l'eau et du coup ça fait cuire les pâtes. Mais là en fait on va pas utiliser ça, on va mettre nos carcasses dedans et on va récupérer. Je vais déjà bien brailler avant. Et donc il y a beaucoup d'aliments que j'aime pas du tout, je suis compliquée à nourrir. Ah bah, si t'es compliqué à nourrir, ça va être compliqué. Bon après, si on sait ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est plus simple. Hop, le tout c'est de le savoir. Hop. Voilà, j'ai cassé un maximum. C'est pas ici qu'il faut le faire, non? Je crois que c'est là-dedans. J'aime bien cette cicatrice. Bah oui. Ok. Pourquoi je récupère pas de sauce en fait? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sauce. Je crois qu'on va remettre un petit peu en cuisson et puis je vais remettre. Ah ouais, j'en récupère vraiment un tout petit peu quoi. Ouais, bah écoutez, je vais peut-être remettre ça. Elle a fait du tout. En... De quoi? Y a pas. Ok. Et donc, bah tu m'étonnes, elle a fait de toi un tombeur de ces dames. bon, bah là en fait je suis un petit peu embêtée parce qu'il n'y a absolument pas de sauce. Donc je veux bien écraser, mais il n'y a pas de sauce. Donc ce que nous allons faire, je vais remettre un petit peu d'eau. Et on va faire revenir quelques minutes. Et on va s'occuper de la purée pendant ce temps-là. Voilà. Allez, go. Hop, ben ouais, on fera ça après. Et donc tu flambes et tu ajoutes du vin pour déglacer. J'ai pas du vin, j'ai pas de vin. J'ai pas de vin Doom. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Non, j'ai pas de vin. J'ai du prosecco. Ouais, non. Bon, tant pis. J'ai mis de l'eau, tant pis. Un bouillon et tu fais réduire. Ouais, je remets un autre bouillon. Attends, ouais, je crois que. Non, je vais pas faire flamber vite ça, attends. Ouais, il me reste un bouillon, du coup. Bah, il me reste un bouillon, donc du coup, je vais rajouter le bouillon. J'ai mis l'eau. Ouais, et comme ça, ça va redonner un petit peu de. Allez, go. Je pense que j'ai fait cuire trop fort, donc du coup. Ça va pas marcher. Ok. Ouais, du coup j'ai remis en cuisson lente pour pas que tout s'évapore. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé des gambas. Ah ouais. Et donc du coup, ouais c'est bon. Et donc j'espère me faire avoir la cholestérol, je serai pas bien. Oui, bah ça dépend ce que tu manges hein, du coup. Hein. Hop là. Du coup je reprends avec moi. Ça c'est pour après. Et on passe donc au pastis. Ça ira bien avec la citronnelle. Ah pastis, oui avec la citronnelle basilic. Moi j'ai vu, j'ai goûté Doom. Et du coup ça a vraiment un petit goût anisé. Je vais faire juste le petit point vaisselle. On va récupérer ça pour faire notre pesto. Un peu de mayo, ça fait 3 jours. Ah ouais carrément. Wow. Attends, bah gastro. Il y a un pote là qui partage la mayo avec toi. Non là il partage pas en fait. Là il mange tout en 3 jours. Ça dépend quel pot, il fait combien de grammes?
Donc les boulots, c'est trop de boulot comme les gigots. C'est bien, ça arrive mais une fois. Ok, voilà. Ouais, donc ouais, peut-être... Après, cholestérol, il y a beaucoup de choses qui dépendent. Hein. Donc, Après, c'est vrai que le gras, il n'y a pas photo. Là. Hop. Ça n'aide pas. Mayo, moutarde, ketchup sont bannis de ma vie. Ah, t'enlèves la moutarde? Moi, j'aime bien la moutarde. Par contre, ketchup, j'ai un truc, mais je pense qu'il me dure je ne sais combien de temps. Enfin, je prends pas beaucoup de ketchup. Mais je prends beaucoup de sriracha. Parfait. Alors, on va passer notre purée au tamis. Hop, on va la récupérer en dessous. Et je vous prends avec moi. Juste pour qu'elle soit un tout petit peu plus lisse. C'est le bazar. Ça y est, ça commence à être le bazar, ça commence à me stresser. Ça y est, j'ai envie d'un filet mignon. Ah, le filet mignon, oui, c'est vrai que c'est bon le filet mignon. Ouais, ouais. En plus, c'est pas du tout gras. Ouais, très bonne idée. Oui, c'est pas du tout gras. Alors, hop. Alors, je les récupère là. Très bien, donc on n'a pas fait les petits points citronnelle et basilic thaï. Mais en fait, c'est surtout les plantes, c'est surtout des vertus médicinales. C'est pas comme les. C'est un peu comme les épices en fait. Hein. Alors que les fruits et légumes, ce sera plus des vitamines, des minéraux et tout. Hop. Et donc, à quoi droite des quoi? J'ai essayé. C'est quoi droite des surimi? Où est-ce que tu vois des surimi? Là, il n'y en a pas. Non, là, du coup, j'ai acheté une fois des surimi. Cafard m'a gentiment dit que j'en achète pas souvent. J'avais acheté une fois pour faire une recette. Hop, deux fois, je crois, deux fois. Ok, donc du coup là, hop, elle est beaucoup plus lissée. On y va. Les langoustines. Attends, des pics grillés. C'est quoi à droite des surimi? C'est chez moi. Je croyais que c'était sur l'overlay. C'est des langoustines qui vont bientôt passer en cuisson. Il serait peut-être temps d'ailleurs. Voilà, attendez, on va continuer. Bon, ça c'est l'étape si vous voulez qu'elle soit lisse. Hein. Après, si vous voulez pas qu'elle soit lisse, vous la mangez direct comme ça. Hein. Et donc le truc orange, ouais, c'est ça, c'est des langoustines. Le tamis, t'aimes le sucré salé? Oui, j'aime bien, ouais, ça me dérange pas. Et terre-mer aussi, les alliances terre-mer. Il y en a qui aiment pas trop, mais moi ça me dérange pas du tout. J'aime bien. Pourquoi? Allez, si on y est presque. Voilà, bon bah écoutez, c'est bon. Voilà, et donc j'aime pas, je suis trop difficile. D'accord, le mal que tu te. Ouais, je sais, Tcho, ouais, je sais. Mais je voudrais faire une jolie assiette après. Il n'y avait pas de langouste au programme, donc on va essayer de faire une assiette un peu jolie, tu vois. Parce que normalement, c'était la langouste qui m'était imposée, mais du coup, ouais, j'ai pas pris la langouste. C'est un petit peu trop cher. Et même sur gelée, non, ça fait quand même cher. Hein. Hop. Ok. Et on a bientôt fini, regarde. Hop, c'est fini là. Voilà, il y aura juste les petits bouts là. Et c'est parfait. Non, mais je me souviens de la purée que j'avais goûtée. Vous savez, quand j'étais en vacances au mois d'août là, j'avais goûté une purée d'aubergine. Mon Dieu, c'était juste trop bon. J'en ai encore le souvenir. Donc, bon, là, je dis pas que je vais faire une purée de ce niveau-là, mais voilà. On va essayer de s'appliquer. Il y a des gens qui sont chez SFR ici pour internet. Moi je crois que j'ai SFR. Surtout pas la purée au lait, surtout pas à l'eau. Nandra, bah là je vais rajouter. Donc on va faire une avec de la crème à 4%, on va essayer. Et une autre fois je voudrais essayer avec du skyr. Pour avoir la protéine. Juste voir la texture aussi, comment ça se passe.
Et du coup, hop, je reprends avec moi. Donc on va partager ça en deux. Ça, c'est bon, je le retire. Voilà, il reste un peu de jus. Hop, on le met de côté. Alors, on y va. Et tu payes ta facture bah, c'est prélevé, moi. Et du beurre. Ouais, mais gastro, il n'y aura pas de beurre. Hé hé. Pas de beurre. Il me faut juste un autre bol, voilà. Hop. Ouais, l'autre bol, il y a un. Pour vaisselle. Ah, j'aime pas ça. Attendez, du coup, est-ce que j'en ai pas un autre? Non, bah, j'en avais normalement trois. Et donc du coup, Maya, elle, il y a des nuits où je rêve de distribuer du bonheur pécho à plein de meufs. Ouais, bah écoute, si t'arrives à en trouver, trouve. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ouais, je sais pas moi. Arrête de prendre avant de dormir, ça va. Ouais, c'est ça, ça va s'arranger tout seul. Oui, peut-être, ouais, c'est vrai. Ou tu regardes un... Tu sais, tu regardes un Disney? Tu regardes un Disney? Généralement, ouais. Et donc, jamais. Un kilo de beurre, c'est pareil, il faut apprendre, déjà apprendre à manger sainement. Bah, Dra, il faut que... C'est maximum 20 grammes de beurre par jour, hein. Pour limiter un petit peu les dégâts. Après, il y a d'autres gras qui sont meilleurs pour la santé. C'est ceux-là qu'il faut privilégier. Oui, oui, oui. Le gras des oléagineux, l'huile d'olive... L'huile de colza. Voilà. Et donc, du coup. Et donc. Ouais, c'est vrai, vous pouvez avoir. Bon, moi, j'ai pas des envies tous les soirs quand même. Hein. Bref. Mais du coup, t'es jeune aussi, c'est que menstruel, du coup, non? C'est pas ça? Et c'est sûr que si. C'est toi qui attends le mariage? Donc si t'attends le mariage, c'est sûr que c'est compliqué, hein. Ouais. Et donc, deuxième rêve, mais pas celui d'un rêve. Et oui, j'attends. Bah oui, c'est ça, bah oui. Ouais, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Et donc, je mange une fois par jour, c'est peut-être... Tu manges une fois par jour? Pourquoi tu manges une fois par jour? C'est ton corps qui peut recevoir à manger qu'une fois par jour. Ah, attendez, c'est bon, on aura fini pour la vaisselle et j'ai récupéré nos bols pour faire notre purée. Hop, il faut qu'on fasse notre pesto là. Très bien, donc on y va. 10 grammes de... Alors attends, le deuxième rêve n'est pas... Ok, et donc non, 10 grammes de beurre, mais 3 cuillères à soupe d'huile par jour. Oui, c'est ça. Donc c'est 20 grammes max en fait pour le corps. 20 grammes max, et normalement c'est d'avoir 2 cuillères à soupe, mais du coup c'est vrai que si tu fais 3, normalement bah, ça, on descend à 10 grammes. Ouais, t'équilibres entre les deux, c'est très bien. Ouais, c'est bien. Et désolé, en plus j'aurais pas besoin de beurre en cuisine non plus. Ah, c'est vrai, ce de la mort, donc tu vas pas. Ouais. Du coup, j'ai rendez-vous chez le médecin, je sais pas à quelle heure je rentre et tout, mais j'essaye de passer. Hop là, on va enfin savoir ce que j'ai là. Et donc, d'un jeune. Donc le deuxième rêve, c'est celui d'un jeune. C'est quoi? Tu te rêves jeune, c'est ça? Ça tombe bien pour une gastro. Je m'alimente ailleurs, sujet tabou. Tu t'alimentes ailleurs. D'accord. Bon, bah, ok. Bah, écoute. Tranquille. Ok. Guigui, ouais, ça marche. Je vais faire le miam miam. Ouais, ça marche. Merci, Guigui, d'avoir été là. Merci. Il y a des streameuses qui se prennent pour des lapins. Attends, t'entends quoi par lapin, Strikeuner? Pour des lapins. Ah ouais? Ah, il s'allume. Merci Pyro700. Merci pour la traduction parce que du coup, ok, j'ai compris. Ouais, ouais, j'ai compris. Ah bah oui, forcément, là c'est. J'ai une photo pour vous. J'attends juste le stream idéal pour vous la mettre. Très bien, donc on y va pour la première purée. Deuxième. Ouais, je suis pas trop équilibrée là. Donc on va reprendre une cuillère là. Et puis, bah écoutez, on va faire le test pour les deux. C'est bon. Déjà, juste nature, c'est bon. Ouais. Ouais, est-ce qu'elle a pas la crème? Bah, je mangeais ça quand j'étais plus jeune. Hein. Faut de tout pour faire un monde. Ouais, bah oui, j'imagine, oui, c'est clair. Hein. Qui se prennent pour... Oh, d'accord, ok. Donc, des lapins, tu veux dire quoi? Les nymphos, c'est ça?
que je rêvais d'être maître en primaire et jouer au foot avec mes petits-enfants. Ah, c'est pas mal. Ouais, pourquoi qu'au primaire, tu peux le faire. Tu peux le faire quand même, là. Donc, on y va. Dans celui-ci, je vais mettre un tout petit peu de crème. Et on va mettre... j'aimerais bien mettre un petit peu d'ail aussi. Peut-être que vous avez trouvé ça chelou et tout, mais... la purée dans l'ail... Enfin, l'ail dans la purée, je kiffe. Donc, on va prendre juste une gousse pour les deux. Et je crois qu'il n'y a pas d'ex qui cuisine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de bagne. De quoi? Attends, c'est quoi? Ouais, merci. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est cool, cafard. J'ai pas compris. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'ex qui cuisinait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a, il y a plus de 8 ans. Oh là là, je suis désolée, il faut que ça monte au cerveau. Enfin, j'ai vraiment pas compris. C'est l'enfant qui a 8 ans, c'est ça? Avec certaines, t'as intérêt de faire à manger? Ouais. Sinon, tu finis au McDo. Ah, il y en a qui savent pas cuisiner. Ah, bah, ça va. Sinon, il y a notre bon vieil ami Picard, hein, sinon. J'aurais pas dû séparer tout de suite. Ok. Alors, attendez, on va mettre un petit peu là. Et je vais en mettre un petit peu là. Ok, on va mettre l'autre partie ici. Voilà. Hop. Du coup, au lieu de mettre du beurre, on met de la crème. Donc la crème à 4%, hein, 100 ml, 4 calories, donc c'est juste nickel. Alors si vous prenez 100 g de beurre, vous avez 800 calories. Bon, ça fait pas 100 ml, mais bon, on n'est pas loin. Le premier, skir. Je vais déjà partir sur une cuillère. Hop. Par contre, ce que je me dis, c'est en réchauffant. C'est là qu'il va falloir que je fasse attention. Ok, donc le premier, c'est skir. Et le deuxième, et donc je vais d'abord travailler dans le conseil au trader. Après, quand je vais ramasser plein d'audiences, je serai chez lui. Ah bah oui, bah tiens, un cycle menstruel, moi aussi j'étais dans la finance. Et ouais, je connaissais des traders. C'était pas les meilleures personnes que j'ai connues. L'argent fait vite monter la tête. Non, j'ai mis du skir dans le deuxième aussi. Mais n'importe quoi, je voulais faire skir et d'autres crèmes. Ah là 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 là. Bon, alors écoutez, Nick, pardon, voilà. On va mélanger les deux. Bah écoutez, ça sera skir et crème. Voilà. On va essayer de la rendre souple. Voilà. Au secours. Non, c'est clair. Oui, ça marche, Cho. Ouais, pas de soucis, merci. Merci d'avoir été là. Merci. Et c'est super bon, ça me... Ouais, t'as vu, Pyro, ça monte hyper vite au cerveau. Au secours, quoi. T'es pas concentré. Non, mais c'est clair, là, je sais pas ce qui se passe. Hop. Attendez, attendez. Hop là. Donc, du coup, on a mis 2 cuillères à café d'esquire. Bon. Très bien. Bon. C'est pas grave. Je vais mettre un petit peu de crème pour détendre tout ça. Mais ouais, du coup, je saurais pas. Oh, déjà, c'est très bon. Allez, on va mettre juste un petit peu. Je sais même pas si y a besoin de mettre de la crème. Hein. Voilà, donc on a remis 2 cuillères à soupe, 2 cuillères de skir. Et je vous prends avec moi, c'est terminé. Ah, Drain, t'as eu un petit message supprimé? Ok, je vais ranger ça. N'importe quoi. Oh, bonjour ma loulou. Comment ça va? Ça va le boulot? Croix rouge, tu l'as cherché. Non, croix rouge, ouais, c'est grave. Très bien, bon, bah, écoutez, notre purée elle est prête. On mettra du sel et du poivre juste à la fin quand on servira un tout petit peu. Et voilà, je termine ça. Et on aura juste le pesto à terminer et puis à saisir rapidement les gambas, on aura terminé. Donc, rajoute encore du skir. Ouais, non, non. Bon, en fait, je vais garder le skir en dessert du coup. N'importe quoi. Et on me génère d'autres avant de mourir. De quoi? Alors, attends.
Salut. Donc c'est pas contre toi, Syndra. Et Gastro, il a dit quoi? Ah, tu vas pas me dire ce qu'il a dit, Syndra. D'accord, ok. Dra, pardon. J'ai soulevé des... Ouais, j'ai vu tes super haltères. Hein. <T'es bien. rire> Ouais. Ok, normalement. Bon, très bien, les gars. Donc, après, donc là, je vais me ressaisir. Je vais me reconcentrer. Hein. Voilà. Il y a le petit bazar qui est prêt là. C'est bon. Et on va faire notre pesto de basilic. J'aimerais bien mettre des petits points. Vous savez, genre faire comme dans les restaurants gastronomiques, des petits points des petits points verts. Vert foncé et tout. Et donc, des bananes, j'enverrai d'autres. Enfin, bref. J'ai pas compris. On va. Alors, attends. On ne verra d'autres avant de mourir. Oui, ça c'est sûr. Et donc, j'enverrai d'autres. Ok. Il a dit pige, il parle de primaire. D'accord, ok. Il a dit pige, il parle de primaire. Oui, effectivement, ouais. Oui, tout ce qui touche à l'eau, on a un fond de vanne, conduite, pompe. Ouais, bah ouais, c'est clair, bah Loulou, hein, tu m'étonnes. D'accord, ok. Et donc, du coup, Gastro, pourquoi tu lui as enlevé sa phrase? Lol, c'est le fail. Ouais, merci. Ouais, chaud. Donc, tu vois, avant de partir, il dit c'est le fail. Bon, moi, je vais vous faire le fail avant de partir. non, mais écoutez, notre purée, elle est jolie. Je vais la mettre. On va ranger ici. On va juste garder la petite machine. Et on va faire cuire nos langoustines. Alors, on a toujours pas écrasé la sauce. On va écraser aussi la sauce. Donc, pour les faire cuire, je vais mettre ça parce que je veux qu'elles se maintiennent. Reste à ta place, s'il te plaît. J'entame des commentaires. Si t'es pas content, c'est la même. C'est quoi, Gastro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Bon, normalement, c'est... comment il s'appelle? C'est Doom qui dégaine. D'ouf. Non, du coup, Gastro, dis-moi, c'est quoi qui t'a pas pris? C'est quoi qui t'a pas plu dans sa phrase? Hop. Rapide, rapide. Du coup, hop, regarde, on met les piques à brochettes, comme ça, on garde nos... langoustine en entière et on va juste les saisir 2-3 minutes à la poêle et comme ça on fera notre assiette. Hop. Et donc 2 heures de live et 2 heures de recette. Oui, Dra, c'est le principe. 2 heures, ouais, 2 heures et demie à peu près. Merci pour le follow, Brunop 75 000. Oui, Pyro. Ah, bah, j'ai pas vu pourquoi ça a été supprimé la phrase de Pyro. Gastro, pourquoi t'as supprimé la phrase de Pyro? En fait, il répétait juste ce que je disais moi. Ne commencez pas, sinon je banne. Ouais, alors du coup, ouais, on va se calmer, je pense. On va tous se calmer. Et je vous prends avec moi. Du coup, on va faire un tout petit peu de rangement et on va écraser nos carcasses pour récupérer le jus. Celle-ci. Et vous savez que l'autre soir, j'ai oublié pour le stream, on n'a pas fait on n'a pas lancé les popcorn. Bah oui. Qui vient de supprimer le message là à l'instant? Je comprends pas là. Sérieusement, ça commence à ça m'énerve. Hein. Pourrait-on redevenir adulte? Ok, Doom. Ouh là là, ok. Ouais, Maya répond à mon message top. J'ai pas vu, Dra, tu vois ce que je veux dire? Non, Dra, j'ai pas vu, mais tu pourrais mettre le prix des aliments en concept de plat pas cher. Oui, ça on l'a déjà fait. On l'a déjà fait en calcul. Au secours, au secours, au secours. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, je vous propose. On va passer à l'écrase. Plutôt les modos en liège. Ouais, non, mais je sais, j'en sais rien, moi. Attendez, on va passer à écrasage de carcasse. On va récupérer le jeu. Et on va faire notre... Arrêtez. Au secours.
Ok. Ouais, mais je sais pas, j'en sais rien. Vivement, je peux plus. Ouais, pas grave, si. Bah, tu... c'est pas grave, Cédra, tu viens avec nous quand même. Dra, pardon. Bon, on va juste récupérer les jus. Allez. La poêle, parce que c'est là-dedans, on va faire... je vais faire saisir les gambas pendant que je fais le jus. Et donc du coup, c'est du sang chez les modos dans le rouge du lac cette semaine. Ouais, bah ouais, j'ai pas compris. Et donc du coup, pas du tout, le mauvais esprit amène à des propos déplacés et rien d'autre. Mais comme un carton, je vais aller dans mon coin, là, demain Maya. Bon, ça commence à... bon courage, Doom, à demain. Juste un an, depuis lundi, tout ça. Oui, parce que normalement, habituellement, en fait, vous supprimez les phrases des gens qui me disent des choses qui sont pas gentilles, mais pas ce que vous dites entre vous, en fait. Ça, je comprends pas, en fait. Ok. Ouais, c'est ça, je comprends pas, en fait. Mais il n'est pas entre vous en fait, c'est ça je comprends. En fait, c'est ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc hier, je suis. Donc, juste à un moment, si on ne peut plus rire de rien, dites-le. Ouais, c'est ça, parce que moi, là, moi aussi, ça commence à plusieurs fois. On commence à me dire que je ne veux pas rire de ce que je veux, ça commence à. Très bien, donc ça on est bon. Hop là, et donc du coup, les spécialités de. C'est quoi les spécialités de ta région? Moi, du coup, c'était. On avait fait la Bourgogne en fait, on était parti en Bourgogne. Bah là, en fait, je suis en région parisienne, donc c'est quoi? À Paris, je crois que c'était. On avait dit croque-monsieur. Bon, j'écrase la carcasse, ensuite on va filtrer le jus. Damchine, recoucou, Damchine. Donc hier je suis allée à la chasse aux escargots. Ah ouais. J'avais déjà jusqu'au godillet. Ah, je savais pas que ça se chassait les escargots. Ah, bah. Moi je les achète tout fait, tu vois. Jusqu'au genou, mais ça arrive pas. Il n'y avait pas assez d'eau dans la main. Ah ouais, ouais, Vince. Merci Vince. Ouais, bah surtout en fait quand t'as pas écrit des choses quand t'as pas écrit des choses méchantes quoi. Petit verre de rouge. Ah, bah oui, pas mal. Arrête, nous, quand on faisait les visios avec, pendant le confinement avec les collègues, il y avait une collègue qui avait tout le temps son verre, quoi. Trop drôle. Elle me disait, bah ouais. Ce qui est vrai, hein. Bon, bah du coup, on récupère le jus et bah, là, c'est bon, on en a un petit peu. Donc, il va être bien corsé. Hop, je suis au même pays. Bonjour, Maguerne. Voilà, donc là, il va être bien, bien corsé. J'espère qu'il va être bon. Donc, coucou. Et donc, voilà, bonne technique. Ouais. Très bien. C'est bon, je vais jeter ça. Je tiens à dire que c'est la première fois. Hein. Première fois. Donc, on va récupérer notre petit jus. Et j'ai toujours pas lancé la cuisson des plats. Je vais faire aussi des pop-corn en même temps. Et je vous reprends avec moi. Hop. Ouais. Non, pardon, ça glisse, c'est mes doigts qui sont mouillés. Ouais, c'est bon. Dra, aïe. C'est quoi aïe? Le vrai pays de la rillette, c'est Tours. Ah, je sais pas, c'est quel pays de la rillette. Ouais, mais il y en a partout dans toutes les régions. En Bourgogne, si, attendez. Là, pendant que j'avais fait mon road trip, j'étais partie à Auxerre, j'avais pris une rillette, vous savez, une rillette persillée. Je sais pas trop quoi là, le truc de Bourgogne. Oh là là, c'était trop bon. C'est musclé comme séquence cuisine. Ah, tu trouves? Ouais, t'as vu, bah là on a écrasé en fait les carcasses des langoustines. Et du coup, on a récupéré le petit jus. Et là, on va faire le basilic. Le pesto basilic thaï. Alors, pour ça, je vais utiliser un mixeur. Donc là, du coup, j'y vais. Je vais juste garder du basilic pour demain. Parce que demain matin, on fait thaï. Hop, je vais juste garder 2-3 branches. Et puis, du coup, on va récupérer tout le reste. Et en même temps, je vais lancer mes langoustines. C'est bon. Donc, je fais vraiment feu doux. J'ai mis à
à 5, mes plaques avant jusqu'à 9, mais je suis vraiment feu doux. Et on va en même temps lancer nos popcorns. Comme ça, ils seront déjà faits. Je crois que j'en ai fait beaucoup. C'est pas grave. Ouais, j'ai mis les popcorn aussi. Du coup, j'ai mis en cuisson plus lente. Donc, du coup, ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc, je connais pas trop pour plus Amboise. Ah oui, oui, ça c'est du côté de Tours. Ouais, Amboise et Tours. Je crois. Ouais, j'avais visité. J'avais fait les châteaux. Les châteaux, les châteaux. Alors, basilic, on va partir sur deux feuilles. Attendez, je vais nettoyer. Par contre, je vais me dire, je vais pas faire tout ça. Je vais pas faire tout ça, sinon il va falloir que je rajoute une tonne d'huile et tout. Non, mais écoute, on va prendre quelques feuilles et le reste, on va le garder. Voilà. Et c'est la poste. C'est quoi c'est la poste cure Amboise. Je ne connais pas. Attends, c'est quoi la poste cure? Je comprends pas. C'est quoi la poste cure? Je comprends pas. Non, donc Amboise, ouais, il y a le château, en fait, le château d'Amboise qui est pas mal à visiter. Après, j'ai un souvenir de... C'est là où j'ai découvert la première fois le comté. Mais dans un petit restaurant qui était à côté du château d'Amboise. J'avais pris du fromage en dessert. Et c'était du comté, vous savez, où il y avait des petites granules, des petits granulés. Et donc, du coup, depuis, je kiffe. Ouais, je kiffe le comté. Et c'est là où j'ai découvert. Donc, ouais, c'est mon petit souvenir. Et il y a le Clos Lucé aussi. Château de Moulinsart, c'est Giverny. C'est plus Giverny qu'Amboise, le château de Moulinsart. Ouais. Et Amboise, donc il y a le Clos Lucé, donc le château de Léonard de Vinci, et ouais, et puis bah de Louis, c'est Louis XIII, je crois. Le Clos Lucé, ouais, exactement, ouais, c'est ça, exactement. Hop. Très bien. Il y a tellement de châteaux à voir, c'est juste trop beau. Hop. Bah ouais, là, je sais pas, avec le Covid, ça se trouve, il y a moins. Ouais, c'est ça, le Clos Lucé, exactement. La maison de. De Léonard de Vinci, le pote de François Ier. Enfin, c'est François Ier qui l'a fait venir, du coup. Hop là. Et c'est lui qui a fait l'escalier à double révolution, vous savez, qui est dans le château. T'as voyagé? Oui, beaucoup, ouais. Ouais, je kiffe. Là, ça fait un petit moment, ça fait plus de 2 ans, je crois, que j'ai pas voyagé. C'est quand mon dernier voyage? Ça devait être cet été. Mais ça ne l'était pas. c'est quand la fin j'ai voyagé? Ouais, ça fait un moment, hein. Je crois que ça remonte à 2018, hein. Ouais, je sais plus. Cheverny, c'est dans le Loir-et-Cher. Ouais, Cheverny, c'est Cheverny ou c'est Giverny? Ah oui, je confonds Giverny. Giverny, c'est. Comment il s'appelle le peintre? C'est. Oui, Giverny, c'est en région parisienne, je crois. Alors, on y va pour notre pesto. Donc là, du coup, je vais quand même mettre une bonne cuillère d'huile d'olive. On va mettre de l'huile d'olive. Et on va mettre un petit peu d'ail. Oh, bah, on revient toujours sur notre ail. Ouais, prenatami, c'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est l'escalier de Chambord, exactement. Et en fait, double révolution, c'est parce que donc les gens pouvaient monter et descendre sans jamais se croiser. Ouais. Et donc, du coup, c'était une invention de notre cher. Notre cher Léonard de Vinci. Et coucou, salut Atlantana. Ouais, coucou, ça va? Du coup, on a fini. Donc là, en fait, on a nos langoustines qui partent en cuisson. On a fini de préparer. En fait, c'est des brochettes de crevettes à la citronnelle. Crevettes pas. Nos gambas, nos gambas, nos gambas. Bah, elle aussi, il va falloir qu'on les bascule quand même. Hein. J'allais oublier. Ouais. Merci, Maya. Ouais. Bon, pas tant que ça, bah, loulou. Bah, un petit peu, tu vois. Ouais. Donc, nos gambas, en fait, on les a fait mariner avec de la tequila. Hop. Donc, du coup, là, je vais les lancer en cuisson. On va les saisir vraiment à feu vif. Du coup, je vous les montre, elles sont là. On va, hop là, on va les saisir à feu vif. Hop. Et après, on va déglacer avec. Ça sent trop la tequila. Après, on va les déglacer avec de la tequila. Voilà. Bon, bah, ça, du coup, ça, je vais juste faire une plus belle présentation. On va couper. On va les égaliser. Voilà. Voilà.
À table, ouais, grave, là ça commence à être. Ouais, ça va être à table. Et donc, salut, ouais, hop là, c'est bon signe ça, ouais. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est prêt. Ça, je vais remettre au frais. Bon, le basilic, j'ai complètement, mais il y en a partout. Hop là, hop là, hop là. Allez, de l'huile, un petit peu d'huile d'olive. Il me faut un ail. Il n'y a pas. Allez, je vais prendre un mini. Bon, il y a des. Ah, si, je peux peut-être mettre. Est-ce que je mettrais des pignons comme. Tiens, je vais peut-être en mettre. Ouais, je vais tester. Je vais mettre des pignons dedans. Hop, donc mon ail est dedans. Et j'ai un petit peu de pignon par là. Allez. Et c'est parti. Bon bah du coup voilà, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive, on va mettre une cuillère à soupe. Et du coup, bon on n'allongera pas avec de l'eau, mais voilà. Bref, j'espère que l'huile suffira, une cuillère à soupe d'huile suffira. Voilà. Ah, ça c'est juste pour que ça fasse le petit condiment. Hop. Dans l'assiette. Et donc une bonne bouteille de. Ouais, tu vois, bah oui, tu mets ta. Oh, Kadhafi! Comment tu vas? Elle nous manquait tes petites histoires, tes petites anecdotes. Ah, comment ça va? Trop bien. Ouais, une bonne bouteille. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, oui, la bouteille de rouge, oui. Bon, aujourd'hui, ça va, je suis pas à l'école. Mais il n'y aura pas de bouteille de rouge quand même. Bon, ça commence. Ouais, bon, ça commence. Ouais, salut Kadhafi. Ouais, c'est clair. Bon, attendez, je débarrasse ça. Du coup, je vous prends avec moi. On va juste. On va lancer les langoustines. Hop. J'ai un petit peu d'huile. Voilà. Allez, c'est parti. On va juste faire 3 minutes de chaque côté et je vais récupérer cette assiette pour la plantation. Ah, est-ce qu'on mettrait pas la sauce au fond? Non, 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 on va mettre sur la purée. Je sais pas. Je sais pas. Et donc un petit Château Lafite. Bah, je veux bien, moi, tu vois, que tu m'envoies un petit Château Lafite, pas de soucis. Oui, ça me va. Direction Bordeaux, donc ils ont du. Ah ouais, bah Loulou, mais oui, oh là là. Ouais, c'est pas la joie dans ma bien en ce moment. J'ai dû prendre du recul sur les choses, j'ai tout lâché. Mince, ouais, mince les gars. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour tout le monde. Voilà. En fait, c'est hyper rapide. Donc, hop, ça, on retourne. Au secours, ça prend. Ouais, c'est en train de. Je reste à côté. Je suis désolée, je reste à côté parce que du coup, ça peut cramer. Bon, Kadhafi, en tout cas, c'est bien que tu sois là. Ouais, viens si tu veux venir discuter. Et du coup, ça va beaucoup mieux ou pas? Non, c'est pas la tête du vent. Ah, c'est embêtant. Ouais, c'est vrai que c'est.
C'est des périodes un peu difficiles pour tout le monde, c'est fou. Et donc, le premier, je fais la soupe. Ah, la soupe à la citrouille, c'est bon ça. Devant belle-maman, j'ai tout mangé, mais tout. Ah. Donc, ma belle-maman, elle ne sait pas bien cuisiner alors. Ah, j'espère qu'elle vient pas sur Twitch, hein, et qu'elle ne te regarde pas. Ah. Mais non, ça craint. Non, ça craint pas. Alors, du coup, nous avons nos langoustes qui sont prêtes. J'ai juste attendu que le rebord. Parce qu'en fait, le rebord était encore un petit peu. Vous savez, un peu scintillant et tout. Donc, du coup, là, c'est bon. Là, on est bon. Ouais, non, même pas. Hein. Je crois qu'il faut encore la cuisson. Non, non, ça, on va encore les mettre en cuisson. Allez, viens, mon coco. Non. Voilà, je vais déglacer. Donc là, j'en cuis dans les crevettes. Hein. Ouais, c'est vraiment 2-3 minutes, c'est trop bien. Trop plein de... Ouais, ah, t'es genre trop mignon, ma loulou. Trop plein de bisous, ouais, grave. Le chat, c'est calme. Ouais, c'est clair, t'as vu qu'à faire, ouais, grave. Ouais, et donc, passe un coup de fil à Macron, ça ira mieux. Ouais, moi, c'est un parent qui m'a dit aussi d'appeler mon pote Jean-Michel. Jean-Mich Blanquer. Éclat, mais de ouf hein. C'est trop bien. Du coup voilà, donc nous avons nos gambas marinées à la tequila. Ça sent la tequila, mais laissez tomber. Donc ça sonne occupé. Beurre à la châtaigne. Ah, la châtaigne, c'est trop bon. C'est soupe à la châtaigne. Ouais, c'est trop bon. Bah, on a fait un stream châtaigne là, il n'y a pas longtemps. C'est trop trop bon. Je kiffe. Mais par contre, c'est un peu canonique. Hein, donc du coup, c'est pas dans mes... Tu live tous les jours, oui, alors attends, demain matin, 5h45, on va faire des salades thaï, hein. Du coup, ça sera pour mon déjeuner. Ouais, c'est plus, je vais le faire sous forme bento, en fait. Voilà, et samedi, dimanche aussi, je stream, le mercredi. Et là, j'ai peut-être passé au lundi soir, parce que du coup, ça me ferait moins éclater le matin, à 5h45. Hein. Oui, voilà, ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Prochain live, c'est demain matin. C'est les châtaignes qui sont caloriques. Alors, notre pesto est prêt. Je n'ose pas poser ma plaque. Très bien. Donc, nous avons nos langoustines qui sont prêtes. Donc, ce que je vous propose, on va mettre de la purée. On va mettre nos langoustines par-dessus. Et ensuite, on arrosera avec le jus. Voilà. Là, elles sont cuites. Hein. Là, c'est bon. J'enlève les bâtons. Voilà, voilà. Ah, mais il faut les éplucher, non? Ben non, parce que si j'épluche, je perds la queue. Bon, écoutez, je vais pas les éplucher. Donc, vous, à la maison, vous pouvez les éplucher. ouais, je vais juste garder la queue pour la présentation, en fait. Bon, attendez, on va essayer d'en éplucher une. Ou alors, j'ai juste gardé le bas de la queue, en fait. Allez, enfin. Et donc, tu peux en manger quelques-unes. Tu as le planning sur Twitch? Ouais, c'est ça. Ben là, je vais le remettre à jour, parce que je pense qu'on a avancé dans les jours de la semaine. Moi, j'y arrive pas, en fait. Ah, j'ai peur. Pourquoi tu viens pas? Allez, viens, s'il te plaît. Et garde ta forme, surtout. Ah voilà, yes. Ok, bon, là c'est bon. ASMR popcorn, ouais. Ouais, t'as vu, les éplucher, c'est compliqué, hein. Merci pour le follow, merci. Merci Tichou, merci pour le follow. Hop là. Bon, au moins ça c'est prêt. Hop. On s'en occupera après. On va terminer là. Et je vais surtout pas... En fait, c'est la queue, je veux pas qu'elle soit enlevée. Donc j'ai faim. Ouais, t'as faim, Strike, ça connu. Attendez, ça arrive. J'y vais doucement parce que vu que je suis mise catastrophe. Voilà. Voilà, donc on a la première langouste. Très bien. Alors, on va mettre la purée. Et l'enlever pour notre basilic. Ouais, on est bien. Donc, on va pouvoir faire des petits ronds.
Comment allons-nous mettre la purée? Ben oui, je voulais mettre un petit truc de purée là. Qu'est-ce que j'ai? Non, attendez. Je sais pas comment on va faire pour la mettre. Bon, bon, c'est pas grave, on sera pas au restaurant, hein, on est d'accord. Alors, on va essayer de mettre la purée comme ça. Un éplucheur. Non, ouais, non, je sais pas. Non, j'ai pas vu cafard. Faudrait que je regarde, tiens. Un éplucheur à langoustine. Ok, donc on met une petite langoustine là. Hop. J'en mets trois. Alors, on en fait trois. Trois, quatre. Ah, putain, c'est pas mal. C'est hyper dur. Et donc le dahu, ouais c'est parce qu'en fait j'ai cru que j'avais un emporte-pièce qui est rectangulaire mais il n'est pas ici en fait. C'est le dawa, c'est ça? J'ai perdu le sens du goût avant-hier, c'était bizarre. Ah c'est vrai, Strike Uné à cause du Covid. J'allais faire le plan de trompettes de la mort. Bah Tcho, je veux bien que tu m'en prennes des trompettes de la mort. En fait je veux bien, Tcho, j'aime bien tout ce que tu me proposes. Grave. Et donc moi j'ai fait un MP. Ah t'as fait un MP, c'est quoi un MP? McGurn. Ah moi t'as fait un MP? Ah oui, c'est des trucs. Et donc, bonjour Flo! Ouais, coucou, ça va? Pourquoi on mettait un peu d'huile dans le fond? J'ai essayé sans. Bah, Kadhafi, non, moi je mets pas d'huile. Merci pour le follow. Merci QDL Freenox. Merci pour le follow. Bah, non, moi Kadhafi, je mets pas. Ouais, c'est MP, c'est message. Merci, merci, Balou. Ouais, moi je mets pas d'huile dans le fond, Kadhafi. Et du coup, ça fonctionne. Par contre, c'est vrai qu'il faut rester juste à côté, hein, sinon ça crame direct. Hein. Mes champignons viennent de Paris. Ouais, pas tous. Hein. Bon, ouais, merci pour le follow qui dit Frinks. T'aimes bien la cuisine? Alors voilà. Attendez, on arrive le deuxième. Là, je commence à arriver. Voilà. Ouah! Très bien. Donc, nous avons notre deuxième. Ouais, je sais pas, on va faire ça comme ça. Hop. Ou sinon, ah, sinon on a pu faire purée au centre et puis après on les met tout autour. Ouais, ça fait peut-être un peu moins, je sais pas. Bref, c'est pas, on va pas se prendre la tête, hein. Dra, Alice, Alice. Ouais, c'est la chanson de Francky Vincent. Au pays de. Non, j'ai dit au pays des merveilles, mais non. Attends, hop. Avec les doigts, génial. La classe. Voilà. Ouais, désolée, je suis en train de me prendre la tête alors qu'on s'en fout en fait, on s'en tape. Donc nous avons nos premières crevettes. Après, bon, on va mettre notre jus. Donc ça, c'est nos crevettes qui sont déglacées. Hop là. La tequila, hop là, nos brochettes. On termine avec le dernier. Ouais, je vais en faire trois. Hein. Mes pauvres. Attendez, je vais vous libérer quand même. Voilà. Et donc, tu prends deux cuillères, tu peux faire des beaux petites. Ouais, je sais, Balou. On s'en tape pas. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, très bien alors, d'accord. Bon, bah, j'espère que ça vous plaira. Vous. Ok. Allez, troisième langoustine. Les crevettes sont plus faciles à éplucher que les langoustines, je tiens à dire quand même. Merci pour le sub, merci, merci. Merci à, pour Dra, merci Gastro. Oh là là. Ouais, Dra, ouais, grave, c'est clair. Merci Gastro. Alors, attendez. Hop. Très bien, nous sommes à la troisième. Voilà. Du coup, on va les récupérer. Bon bah Gastro, merci pour tous les subs aujourd'hui. Hein. Les épluchures sont moins épaisses. Ouais, c'est clair. Ah, attention, on va pas casser la queue. Hop là. Mais c'était mieux, vous savez, quand il fallait écraser et tout. Là. Ça, je kiffe. Hein. C'est comme quand il faut jeter la pâte. Quand il faut pas faire trop attention. Alors du coup, pour l'instant, ça donne ça. On va rajouter Bigfoot. On mange juste trois crevettes. Non, il n'y a pas trois crevettes. Là, il y a des crevettes. C'est, là, nous avons des gambas qui ont été marinées avec de la tequila et du citron vert.
déglacer avec la sauce. Et là, on a des brochettes à la citronnelle de porc haché et de crevettes. Et ça a l'air très bon, je pense. Alors, attends, du coup, on va récupérer le pesto. On va refaire un petit coup de mix. Ah, je vais rajouter du jus de citron. Bah, comme ça, du coup, ça va le détendre encore. Ouais! Allez, go! Comme ça, on peut mettre plus d'huile. Allez, détends-toi, s'il te plaît. Pas trop, quand même. C'est pour l'apéro? Non, mais attendez! Hein. Mais non! Vous êtes mal, attention, si vous mangez tout ça, vous allez voir. Ok. Maman, je suis pas... Bonjour vétérande. Non, pas de soucis, t'inquiète pour le retard. Je fais un stream cet après-midi pour le repas. Ouais, bah loulou, pendant que je mange, c'est ça? Non, attends. Les couverts. Bah non, ça coûte pas trop cher. Mais les omars-ci, c'est quoi les omars-ci? Les deux paires de... Ah, droit, ça marche. C'est l'apéro. Ah, merci gastro pour vétérande. Ah, merci gastro. Arrête, je t'ai dit de poser le bouton. D'arrêter de... Ouais. Oh là là. Merci gastro pour tous les subs aujourd'hui. J'en ai eu trop, arrête. Hein. C'est pour le retard. Mais n'importe quoi. Ouais. Ah, c'est pour le retard, ouais. Très bien, donc nous avons nos crevettes. On va prendre ça pour mettre pour faire notre sauce. Donc du coup, c'est nos écrasés. Je vais la filtrer en fait. Je vais la filtrer avec ça. Il y a des petits bouts là. Au secours. Ok, on va juste la filtrer un peu. Merci beaucoup. Et c'est quoi les omars-ci? Non, c'est quoi les omars-ci? Je sais pas. Moi, je connais omars-ci, mais je connais pas. Ouais, du coup, en fait, on a bien fait de filtrer. Regardez ce qu'il y avait dedans. Ouais, j'aurais mangé un petit peu, vous savez, de la carcasse ou du sable, je sais pas comment on dit. Qui mange après fait l'amour. Dra, non, pas moi. Moi, j'ai envie de... Non, j'allais faire une remarque, mais après, vous allez dire un peu mignon. Hein. Non, bah, j'allais dire, moi, je suis comme les mecs, quand je m'endors après. Voilà. Je joue d'abord. Ah, merci, Kappa. Ah. Ouais, c'est clair. Merci, Kappa. Du coup, on y va. Donc là, en fait, on va remettre un petit peu de notre sauce. Bah, elle n'est pas bien rouge. Dommage, je voulais qu'elle soit un petit peu rouge. Ok. Et on termine avec notre pesto. Que je voudrais mettre dans un truc avec une pointe, mais je ne vois pas quoi. Ouais, pour faire les petits ronds. Donc, quoi je peux mettre niveau carambar, sinon carmaya. Ouais, pourquoi niveau carambar? Ah, dans les blagues? Attends, j'ai pas vu. Y a une... Parfois, j'ai du sable dans les dents après avoir passé ma soirée avec. Oui, c'est bizarre, tiens. Oui, c'est vrai, ouais. Doucement, Bigfoot, avec ce que tu dis, parce que... Moi aussi, je fais attention à ce que je dis. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de trouver... Je vous récupère avec moi et je vais essayer de trouver un truc... je peux rentrer dedans. Vous savez là, juste en fait pouvoir presser pour avoir un petit point. Le plat on dirait un pénis. Lequel? Mais dis-moi Dra, t'es vachement... Bonjour Jean-Luc, ça va? Va voir un médecin. Mais oui, tu m'étonnes. T'es obsédée Dra, c'est pas possible. Ok, alors attendez. Bon, on va pas se prendre la tête, tant pis, je vais faire des petits points à la cuillère, hein. Et je vais essayer de retrouver, je crois que j'allais les emmener de l'autre côté. Bon. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Du coup, je mets juste à côté, parce que je sais pas si c'est bon ou pas. Donc ça sera, hop, on utilisera, voilà. Je voulais que les petites bouboules, elles soient plus jolies, mais hein, hop là, raté. Donc Caïs, ouais, attendez. Hop. Voilà, c'est joli, non? Oh, merci Jean-Luc pour les tirs. Merci, c'est gentil, c'est trop gentil. Merci Jean-Luc. Grave, Pat Le Guen. Pourquoi Pat Le Guen? Attendez, je tourne la tête, on me dit Pat Le Guen.
un médecin ou un psy. Alors attends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que toi, tu n'ouvres pas un bouquin juste après. Non, ça c'est... Ah, à Cédra. Ah, parce qu'il y en a qui ouvrent des bouquins après. Sans déconner. C'est bon, vu que t'as laissé des cravates, elle a prévu. Non, il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de maillot. Pas de gaine, sinon... Oui, voilà, c'est ça. Oh, ben oui, mince, je croyais que j'étais encore... Merci, merci, avec un phare. Ouais. Du coup, voilà. Bon, je l'ai juste mis un petit peu, parce que c'est le condiment... c'est comme ça. Bon, voilà. C'est joli ou pas? Ouais, voilà, je sais pas. L'image est saturée de blanc. Voilà, du coup, ça donne ça. Nous avons donc nos brochettes de citronnelle. Ça, du coup, ouais, peut-être falloir regarder pour une petite sauce, tiens. Bah, je vais prendre la sauce des... on va prendre du... Bref. C'est beau. Ouais, c'est vrai, cafard. Bon, j'avoue, ça fait un peu minimaliste. Ouais, merci. Merci, cafard. J'avoue, ça fait un peu minimaliste. Donc là, nous avons la sauce donc des têtes, des bras. Enfin, des bras. Ce que vous voulez, des langoustines. crevettes sans maillot. Non, mais pourquoi de la maillot? Mais là, en fait, ça a assaisonné, en fait. Il y a de la citronnelle. En fait, on a mis beaucoup de citronnelle, du citron vert, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de maillot, en fait. Là, les crevettes, on les mange comme ça. Ouais, waouh. Merci, Vin, c'est gentil. Bon, c'est... ouais, ça vous va? Puni comme d'hab. Mais non, du tout. Ouais. Gastro, tu veux un peu de maillot. Mais j'ai pas de maillot. Ouais, j'ai un bout de skyr, j'avoue. Ouais, j'ai un peu de skyr, mais du coup, comme on utilise tout le pot, enfin la moitié du pot. Le problème, c'est qu'après ton stream, je suis déçue de mon... Ah, merci, tu vois, t'es trop gentil. Pour une fois, je dis que c'est minimaliste. Et d'ailleurs, je retiens la cuisine, des trucs mini. Tu peux tirer un trait avec les gouttes avec une pointe de fourchette pour le style. Ah, ok. Alors, avec la pointe de la fourchette. Ouais, je voulais juste faire le petit point. Et du coup, pointe de fourchette, je le fais vers ici. Ouais. Bon, je crois que je préférais les petits points. Ouais. Attends, on va remettre ça avec les petits points. Voilà. Je sais pas le faire, ce cordon de la mort, du coup. Ouais, ça faisait pas très joli. Il manque un peu de Nutella. Oui, bien sûr, Caius. Mais oui, bien sûr, évidemment. Et donc, oui. Un losange. Bon, bah écoutez, voilà. Mais je vous propose de nous retrouver demain matin. Donc, demain matin, on va faire deux salades thaï. Crois pas, parce que Cordelama, c'est un concurrent. Ouais, c'est pas... Ah oui, d'accord. Mais non, c'est pas un concurrent. Et n'empêche, j'ai fait le stream lundi soir. Ouais, pour pas le faire dimanche soir. Ouais, mais c'est pas grave, je vais rester là pour l'instant, je vais rester sur le lundi, je pense. Et comme ça, le mardi matin, on se lève plus. Je mets 5 pour la déco et je demande d'en voir plus. Bon, ça marche, Dra. Ouais. Ça viendra au fur et à mesure, Dra, tu sais. Ouais, demain matin, c'est 5h45. Et score de la mort. Ouais, cet après-midi, je crois que c'est 15h. Ouais, mais je suis en plein chez le médecin. Très bien. Bon, bah voilà. Ouais, bon, bah je vous souhaite une très bonne après-midi. Ouais, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Bon vin, je sais plus. Damchine, c'est bon le vin? Ouais, 15-17, c'est ça. J'appelle le tas, je me suis tordue la cheville. J'ai de la marge sur les photos, je mets pas de graines. Ah très bien. Merci, Scandale à la mort. Merci, merci. Bon, bah écoutez. Ouais, bon app à vous aussi. Très bon après-midi, merci d'avoir été là. Bon courage, Kadhafi. Merci pour tous les subs, merci pour tous les cheers et pour les follow. Merci à vous. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir une seule gueule là. Oh. Non, merci à vous. Ouais, merci, Cafard. Merci pour tous les subs. Merci, merci, merci. Ouais, bon appétit. Ouais, bonne journée. Gros bisous. Ouais, gros bisous. À demain.